Donc aujourd'hui sur le stream du dimanche, nous allons jeter un petit coup d'œil à Primal Fury, qui est le nouveau DLC de Edge of Wonders 4. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans ce DLC et ce qu'il vaut, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube qui en parle. Le délire principal de ce DLC, c'est un côté un peu sauvage, un côté un peu nature, donc on va aller se créer une faction avec la nouvelle culture. Ah, j'ai mis le jeu en français, c'est très malin de ma part, ça, pour une fois. Nous allons créer une faction. J'ai un leader qui dit il a un nom de jeu de combat, ce jeu. Ah... Comment il s'appelait ce jeu de combat dans lequel tu jouais des espèces de loups-garous et ainsi de suite? C'était Primal Rage, non? Ou un truc du genre? Je me rappelle plus. Donc ouais, il y a deux nouvelles apparences physiques qu'on peut utiliser pour ce DLC. Donc nous avons les boucs et les loups. On va utiliser les boucs. On va pas utiliser ses traits par contre. Parce que honnêtement, Osef. Quoique le trait herbivore, il a le potentiel d'être relativement drôle. Mais bon. Tu peux manger des plantes pour te redonner de la vie. Emless Wolfie qui dit Bloody Roar. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Effectivement. Ça me rappelle d'ailleurs la toute première fois de ma vie où j'avais joué à Garou, Mark of the Wolves, et je pensais qu'il y avait un système de transformation. Prima qui dit Primal Rage a existé aussi. Écoute. Comme quoi j'avais doublement raison. Fantastique, pour une fois dans ma vie. Monture mammouth, monture ousgarou, monture éléphant. Moi, si j'ai vraiment envie de mettre des boucs sur des mammouths, mon vieux. Plutôt envie de mettre des boucs sur des boucs. Ce qui est beaucoup plus drôle. Nous allons prendre réflexe vif, regard perçant. Il reste un point. Nous allons prendre... Côte robuste, ça me fait pas super rêver, mais vas-y. What is their origin culture? Prima qui dit, mais Bloody Roar était un bien meilleur jeu que Primal Rage. Je vais être très honnête avec toi, si tu me les présentais tous les deux, je suis pas sûr que je serais capable de les reconnaître. J'ai joué à énormément de jeux de combat quand j'étais jeune, mais pas vraiment ces jeux-là. Donc la nouvelle culture de ce DLC, c'est celle-ci, la culture primitive, que je trouve vraiment super intéressante comment ils l'ont goupillée. Déjà, je trouve qu'elle est vraiment classe sur le plan visuel. Ils ont des looks super réussis. Et le fait que tu choisis ton délire primitif là et ensuite que tu peux le personnaliser un peu à côté, je trouve ça vraiment assez amusant. Yu-Yu qui dit Primal Rage, c'était plutôt des dinosaures. Ok, écoute, je m'en rappelle pas du tout. Je ne m'en rappelle pas du tout. Qu'est-ce qu'on va choisir comme animal totem? J'ai beaucoup joué le crocodile ces derniers temps, donc on va faire autre chose. Qu'est-ce qui se marie bien avec un bouc? Crocodile, mammouth, tigre, serpent, araignée ou loup. Pas grand-chose qui se marie bien avec un bouc hein, là-dedans. Dans le fond. J'ai pas vraiment testé le serpent, donc on va faire le serpent. Vous noterez au passage que quand on change d'animal totem, ça change la gueule du totem et ça change également la gueule des boucliers de nos unités. Ce qui est cool, une fois encore. On va prendre le serpent des dunes. Donc nous allons être affinité Materium Nature. Ce qui est pas un mauvais choix du tout, d'ailleurs. Qu'est-ce qui définit ma société? Honnêtement, dans les infinités nature, il n'y en a pas des masses qui me passionnent. Il y a celui-là qui est nouveau, le terraformateur d'Oridic, mais je dois avouer que je suis pas non plus super intéressé. Et en plus, ça va me donner un bonus de mana si j'utilise du sable, ce que je vais faire parce que je suis... totem de serpent, donc on va commencer dans le désert. 10% de mana en nature matérium, ça m'intéresse pas des masses.
Ok. J'aime bien artisan perfectionniste. On va prendre artisan perfectionniste. Écoute, je vais prendre chercheur d'artefacts, mais bon, je suis pas sûr que ça va nous être très utile. Passage, merci beaucoup à Limitless sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. On pourrait prendre le tome d'alchimie qui techniquement vient du DLC précédent, vu qu'il est lui aussi Materium Nature. Ça pourrait le faire. Il y a deux nouveaux tomes de magie dans ce DLC, mais ils sont pas disponibles au niveau 1, donc je peux pas les choisir d'entrée de jeu. Les tomes de Materium de bas level, ils sont relativement cool. Les tomes de racines sont sympas, mais je pense que je vais pas en avoir besoin. Après, j'aime bien le tome de bête quand tu fais une faction avec un trait de monture. Parce que les montures, on profite généralement des bonus. Ce qui est très valable. Je pense que je vais prendre ça. Passage, merci beaucoup à BetterBetterArt sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Django qui dit purée, il y en a des tomes. Ah bah c'est que les tomes de niveau 1, mec, là, il y en a beaucoup plus que ça en fait. Hein. Mais ouais, commence à y en avoir pas mal. Après, je dois dire que je trouve ça un peu paradoxal qu'ils aient encore rajouté des tomes de nature cette fois-ci. De bien que ça s'adapte avec la thématique du DLC. Les autres DLC avaient déjà rajouté des tomes de nature, donc je pense qu'ils auraient pu rajouter autre chose pour varier un peu les plaisirs. Est-ce qu'on va faire un champion ou est-ce qu'on va faire un roi mage? On va varier un peu les plaisirs, on va faire un champion pour une fois, même si je trouve que le roi mage est mieux, honnêtement. La première chose, c'est que tu vas aller nous changer ces montures sangliers et tu vas les remplacer par des montures Bambi. Là, comme ça, nous sommes des boucs sur des Bambi. Crocodile, il est absolument adorable. J'avais même pas vu qu'il y avait un ours blanc, dis donc. Je crois que j'ai débloqué la panthère aussi, voilà. Mais on va faire le bouc sur Bambi. Plutôt classe, le bouc sur Bambi. Badman sur le chat qui dit rien de nouveau, Rise of the Robots. Oh, le premier Rise of the Robots, c'était tellement de la merde. Je me rappelle qu'on avait un peu joué aux deux avec mon frère, mais alors le premier, il était tellement nul à chier. Je crois que dans le premier Rise of the Robots, tu pouvais même pas jouer d'autres personnages que le personnage principal dans le mode histoire. Ce qui était absolument hallucinant. Les mecs, ils se sont pris pour Street Fighter 1 10 ans plus tard. Enfin, 10 ans plus tard, j'exagère. Écoute, j'aimais bien les cornes que t'avais, là. Elles sont plutôt stylées, là, bien chaotiques. On va se faire une petite thématique un peu Beastman. Pourquoi se priver? Les tenues, au passage, de la faction primale, je les trouve géniales. Notamment celle-là, là, avec les espèces de manches en peau de crocodile, là, très stylé. Le casque, je sais pas si je vais en vouloir un, honnêtement. Et ça, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un casque, vieux. Quoique t'es plutôt classe comme ça, mais ça cache un peu tes cornes. Ce qui est triste. Il y a une tête de crocodile aussi qui va mourir de rire. Celle-là. Très subtile. Ça doit sentir bon là-dedans. Et la tête de tigre, ça le fait pas beaucoup non plus. Oui, mettre les cornes par-dessus les cornes, ça commence à faire un peu beaucoup, vieux. Ok, la cape en tête de tigre, je suis pas nécessairement pour non plus. Hein, ça c'est pas mal. Pas très pratique pour rentrer dans les toilettes, j'imagine, ou pour se gratter la tête, mais... Why not? Badmat qui dit Rise of the Robots, il y a eu un 2, fuck, moi j'y ai joué au premier sur le 1, c'était on va dire spécial. Ouais, je me rappelle, il y a un 2, je jouais un personnage qui se téléportait façon Raiden dans Mortal Kombat d'ailleurs. Je dois t'avouer que je me rappelle plus du tout comment il s'appelait par contre.
Je serais même probablement complètement incapable de te donner le nom d'un seul des personnages de Rise of the Robots. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Écoute, je vais prendre cette cape-là, je la trouve plutôt stylée. Malin qui dit entre ça et Green Dog, j'avais le chic pour choper des jeux chelous. Oui, alors soyons honnêtes, Rise of the Robots c'était un peu pourrave, mais c'était quand même mieux que Green Dog. Green Dog c'était quand même cataclysmiquement nul à chier. C'était quand même vraiment de la daube. Après, t'avais chopé True Lies aussi sur Mega Drive. True Lies, il était bien. Originateur de la fameuse technique de la mouette. Est-ce qu'il y a un symbole qui ressemble à un bouc? Toi, tu ressembles vaguement à un bouc. Petit, pas beaucoup de symboles qui font très... Ah bah si, il y en a un là de bouc. Aveugle. Okay, écoute, mon leader, il a plutôt une bonne dégaine, là, je dois dire. Lui mettre une grande hache de berserker. Je sais pas si c'est vraiment la thématique, la grande hache de berserker. Un arc du maître des corbeaux. L'arc du maître des corbeaux, il est cool, mais pour des adorateurs du serpent, c'est un peu bizarre d'invoquer des corbeaux. Hein. Pourquoi est-ce que là le symbole il est à gauche et pourquoi est-ce que là il est à droite les mecs? Posons-nous les vraies questions. Et bouclier du tyran. Pique du vétéran. Je viens de la débloquer celle-là. Je l'ai pas encore utilisée. Grande hache. C'est pas la même que la grande hache du berserker. Lance. Une arbalète de chasseur. La sarbacane qui est stylée. On peut utiliser à d'autres montures. Y a pas assez de sarbacane dans les jeux vidéo. Faut très clairement davantage de sarbacane. Écoute, nous allons prendre le bâton du serpent des dunes. Et rouler jeunesse. Je me sens d'humeur à être un chaman exalté aujourd'hui. Je vais m'appeler Choca la chèvre. Capitale, elle va pas s'appeler Soursa, mais elle va s'appeler Chavroux. En avant. Théo le zombie qui dit « Ah, mais je connais Grimdog, j'y jouais tout le temps quand j'étais gosse, c'était super. » Écoute, je veux bien te croire que tu jouais tout le temps quand c'était gosse, je ne veux pas te croire quand tu dis que c'était super. Je ne vais pas te croire du tout quand tu dis que c'était super, parce que c'était nul à chier. N'était pas super du tout. Your journey starts here. Et oh, le zombie qui dit franchement j'en ai de super souvenirs. Ok, la question qu'il faut se poser du coup c'est quel âge t'avais quand il a joué? Quel âge t'avais quand il a joué? Si t'en as des super souvenirs quand t'avais genre 6 ans, peut-être qu'il faut que tu réétudies tes souvenirs, je pense. Ouais, peut-être que je suis très cruel envers Green Dog, je ne sais pas. Mais perso, j'avais trouvé ça naze à l'époque, et j'étais pas le seul à avoir trouvé ça naze. Je crois que mes frères aussi avaient franchement trouvé ça naze. Donc au passage, un des trucs qu'ils ont rajouté avec le patch qui accompagne ce DLC, c'est que désormais, t'as accès directement à tes factions du Panthéon ici. Et en conséquence, tu peux non seulement les rejouer beaucoup plus aisément, mais tu peux également les mettre à jour dans le Panthéon avec des évolutions et ainsi de suite. Donc là, par exemple, si vous regardez Lord Nazgul, qui a l'air d'être un mec très honnête, il a littéralement l'ascension mort-vivant de base. Parce que désormais, tu peux les extraire avec les ascensions et les transformations directement dans le Panthéon et les rejouer derrière ou les réimporter derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai changé la gueule de Garrick au passage et je suis très fan de la nouvelle gueule que je lui ai donnée. Je dirais un orc pirate, c'est très stylé.
Ah, sur le chat qui dit j'ai souvent de super souvenirs d'anciens jeux et puis quand j'y retouche maintenant c'est un dur retour à la réalité en général. Ah bah les jeux auxquels on a joué quand on était gamin parfois oui tu réalises que le jeu qui était très bien était en fait très nul ou que le jeu qui était très dur était en fait très facile ou que le jeu sur lequel t'as passé des dizaines d'heures se finit en 25 minutes. C'est des choses avec lesquelles il faut savoir grandir aussi quoi. Magie de départ, harmonie ancestrale et invocation du golem de cuivre. Je vais fabriquer un golem, je le fabriquerai pas en cuivre, mais tu fais ce que tu veux, mon vieux. Alors, nous avons quoi comme unité? Nous avons une unité d'Ast, une unité de tank, nous avons un animiste et nous avons un mec avec une sarbacane. Je désirais un deuxième mec avec une sarbacane. Les sarbacanes à bas level, elles sont pas miraculeuses parce que la portée est assez limitée. Mais elles ont également une aptitude de mobilité qui est pas inutile, je dois dire. J'en ai un du qui dit parfois il vaut mieux laisser les souvenirs en paix et ne pas chercher à les faire revivre. Certes! Sinon, tu découvres que le Robocop auquel tu jouais sur Atari, c'était vraiment de la merde. Et donc, quand tu joues primitif, tu es contacté relativement tôt dans le jeu par ton esprit totem. Donc là, c'est notre esprit totem, le serpent. Et il faut aller rendre visite à son hôtel qui est ici. C'est pour ça que je me suis mis juste à côté. Débloquer une chaîne de quêtes qui, à terme, nous permet de devenir un avatar de notre esprit totem. Salut, Régal Duracier sur le chat. Ok, tout ça c'est en cours de construction. Alors, un autre truc qu'ils ont changé dans le jeu avec l'arrivée du nouveau patch gratuit, c'est désormais le nombre de villes et le nombre de héros que tu peux recruter ne sont plus liés. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon nombre de villes disponibles ici, et j'ai mon nombre de héros disponibles là. Et la limite de héros va augmenter automatiquement au bout de 8 tours. Et tu peux investir la ressource d'Imperium pour l'augmenter plus vite si tu le désires. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour contrer le fait que la stratégie la plus payante dans le jeu était constamment de simplement t'étendre de manière galopante sans trop réfléchir. Pour non seulement avoir beaucoup de villes, mais également beaucoup de héros très vite. Et désormais, vu que c'est plus comme ça que ça fonctionne, ça ouvre la porte à davantage de concepts. Viscariot qui dit j'espère que tu pourras faire des chèvres mort-vivantes. Tu peux, mais c'est très probablement pas ce que je vais faire sur ce stream. Et ils ont également refondu le système de nécromancie d'ailleurs, que je trouve beaucoup plus intéressant qu'il l'était à l'époque. C'est cool parce que t'as des changements qui sont liés au DLC, mais t'as également eu pas mal de changements qui sont liés simplement au patch gratuit. C'est une excellente chose. Waouh, ça c'était un soin impressionnant, mec. Ouais, éventuellement vous débloquez, vous les gars, vous êtes pas des trop mauvaises unités pour ma faction. J'apprécierais que vous arrêtiez de tabasser mon pauvre héros qui a rien fait à personne. Je dis s'il y a quelqu'un dans le groupe qui doit mourir autant que ce soit lui. Sarbacane dans le fion, mec! Donc là, vous notez, je gagne de la fureur. Les factions primitives, à chaque coup que t'attaques avec leurs unités de base, tu gagnes des stacks de fureur, et quand tu arrives à 5 stacks de fureur, tu obtiens la bénédiction de ton animal totem, ce qui te donne des effets spéciaux. Qui dépendent de l'animal totem que tu as choisi. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi l'effet spécial de l'animal totem que j'ai choisi. On va voir. Super bien placé là.
suis désormais vachement mieux placé. Le bâton totémique du serpent, là, il fait pas des dégâts miraculeux. Cela dit, là, j'ai 5 fois la fureur du serpent. Donc, comme vous pouvez voir, fureur du serpent des dunes. Donc je gagne plus 4 en dégâts physiques. Et j'inflige aveuglement quand je touche les ennemis. Et surtout, je peux désormais utiliser l'invocation du serpent primitif. Ce qui est très cool. Les invocations, je les trouve très chouettes. Une attaque latérale. Ok, vous voulez tuer mes archers. Qui ne sont pas des archers, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc normalement, toi, tu peux invoquer l'animal totem. Je peux pas l'invoquer à un endroit qui me passionne pour l'instant, ce qui est dommage. Heure grandissante, toi j'aimerais que tu ailles t'occuper de lui là-haut. Va soigner Jean-Michel. Excellent. Je vais aller invoquer mon esprit spirituel juste à côté, je pense. Ah merde, ça consomme tous mes points de... Je vais t'invoquer là. Kaboum, le serpent. Putain, il est stylé le serpent, la vache. Pour l'instant, mon préféré, ça reste le mammouth. Mais le serpent, il est classe. Je l'avais pas encore super utilisé, je dois dire. Le mammouth, il est génial parce que quand il attaque, il déplace les ennemis et c'est super pratique pour briser les formations pendant les sièges. Et tu peux l'invoquer une fois que t'as le sort d'invocation qui est pas le même que le pouvoir du bâton. Une fois que t'as le sort d'invocation, tu peux littéralement l'invoquer où tu veux sur le champ de bataille et c'est juste méga utile. C'est bon, vu que c'est une invocation, s'il se fait buter, je m'en fous un peu. Je vais même vous dire, je m'en fous complètement. Et en conséquence, te caler tranquillou derrière les lignes ennemies. Pour aller déplacer quelqu'un de très casse-burne, c'est très utile. Voilà. Pas accompli et nous avons perdu personne. Fantastique. Bataille gagnée par choc à la chèvre. Par là, Chavroux a produit un bâton. Notre dirigeant est passé au niveau supérieur. Notre dirigeant, il a commencé avec une couronne qui est pas très utile, soyons très clairs. Je sais pas si je vais te laisser en utilisation du bâton magique sur le long terme, parce que bien qu'il soit très utile pour invoquer des gens, lui, je sais pas s'il est méga... méga serviable au combat, dans le fond. Après, j'ai fait un champion, donc je devrais faire un mec qui se bat relativement bien. Vu que l'utilité des rois mages est davantage d'utiliser des sortilèges multiples. Peut-être qu'on soit au bord de l'eau, là. Je sais pas si ça m'arrange des masses. Le truc, quand tu joues primitif, c'est que tout... toutes les cases qui ont le terrain de ton animal totem, donc là en l'occurrence pour moi c'est le sable, te donnent des bonus passifs qui sont utilisés quel que soit le bâtiment que tu places dessus. Donc là par exemple, vous pouvez voir que je ramasse 2 pièces d'or ici, même avec une ferme. Et malheureusement ça va pas être le cas sur les cases aquatiques parce que ce n'est pas du sable. Choper le totem de ton animal totem, au passage, ça te rapporte une quantité de
contentement assez massif pour ta ville. Et tu peux d'ailleurs en choper plusieurs au fur et à mesure. Il y en a une multitude sur la carte. Alors honnêtement, cette nouvelle culture qu'ils ont rajoutée, je la trouve vraiment pas mal. Elle est en plus jouable d'une multitude. T'appelles trou de feu, toi? Tu viens de manger à Taco Bell, mec? Réunion de famille avec trou de feu. Eh bien écoute, nous allons essayer d'assimiler trou de feu à terme. Explorer, toi. Ok, donc on cherche. Nous allons prendre la conjuration de serpent primitif. Donc avec toutes les factions primitives, tu débloques ce sortilège assez vite qui te permet d'invoquer ton animal totem sur le champ de bataille. J'ai essayé la majorité d'entre eux et ils sont tous relativement efficaces. Après, comme je l'ai dit, celui que je préfère pour le moment, c'est vraiment le mammouth. Bien qu'il n'inflige pas non plus les dégâts les plus majeurs de l'univers, le fait qu'il puisse déplacer les gens, c'est super valable. Il est même encerclé par l'eau là. Ça nous permettra de faire de la nourriture, mais j'ai pas vraiment de problème de nourriture. Deux monstres là-dedans? Putain, mec. Ah, t'es sérieux? Tu vas me faire jouer manuellement un combat contre deux ennemis? Van Matt qui dit, tu en as pensé quoi de Silence of the Siren? Je me rappelle plus quel c'est, Silence of the Siren. Il y a plein de jeux avec Silence dans leur nom qui sortent en ce moment et j'ai tendance à les confondre. Si c'est l'espèce de Heroes of Might and Magic avec les combats en temps réel, j'ai pas trouvé ça grandiose. Ouais, je pourrais aller. Je vais aller googliser ça. Non, celui-là, je l'avais trouvé sympatoche. Il me semble, lorsque je l'avais streamé. C'est un autre qui s'appelle Song of Silence, je crois, que j'avais pas aimé, peut-être. Song of Conquest, ou je ne sais pas quoi, ils ont tous les mêmes noms. Et je les confonds tous. Et l'un des problèmes lorsque tu joues à plusieurs centaines de jeux vidéo par an. Bon, on va pas se plaindre. C'est un privilège de jouer à plusieurs centaines de jeux vidéo par an. Rosaï qui dit la résolution auto aime pas les escarmoucheurs T1. La résolution auto aime pas les escarmoucheurs tout court, honnêtement. Après, ça me dérange pas trop de les perdre parce que c'est pas des unités très valables, mais pour le moment, je préférerais éviter d'avoir à faire des allers-retours pour recharger mes troupes, entre guillemets. Ok. Je vois que vous êtes plutôt vénère, les gars. Toi là-haut, tu vas pas servir à grand-chose, hélas. Je sais pas si ça va marcher d'ici, tiens. Non, ça n'a pas marché. Cool. Donc là, ce que je viens d'utiliser, c'est le tir spécial de Sarbacane, qui est un tir de désengagement, qui normalement te permet de tirer sur l'ennemi et de bondir de 3 cases en arrière. Mais vu qu'il y avait un caillou derrière moi, ça n'a pas fonctionné. Après, ça reste l'un des avantages de la Sarbacane, que c'est une arme de combat à distance que tu peux utiliser techniquement au corps à corps. C'est pas idéal de l'utiliser au corps à corps, mais c'est techniquement possible. Vous êtes des araignées de tier 2, les gars, là. Hein, j'ai pas réalisé que vous étiez aussi balèze, ceci explique cela. Reculer dans les cactus, voler un projectile magique dans la gueule. Toi, tu vas très clairement t'attaquer à une de mes sarbacanes, malheureusement, et je pense qu'elle va probablement y passer, hélas. Ok.
écoute, les lanciers, ils ont survécu, c'est une excellente nouvelle. Essayer de t'attaquer sur le flanc, mec. Poste, elle est pas grandiose. Appliquer aveuglement avec la bénédiction du serpent, c'est plutôt pas mal. Avec la bénédiction du crocodile sur des unités qui attaquent de nombreuses fois, tu peux appliquer une quantité de poison qui est absolument grotesque à terme. Surtout si tu prends le tome de nature qui te permet encore d'appliquer davantage de poison sur tes unités à distance. C'est absolument hilarant à terme. Après, quand tu tombes contre des unités immunisées au poison, tu fais un peu la gueule par contre. Ouh, nous avons trouvé un couperet puissant et un arc létal. Une cloche de jeune araignée. J'ai pété. Le couperet puissant, tu fais quoi? Frappe de mêlée. Fais-moi absolument pas rêver, mec. Arc létal. 30% de chance d'infliger. Marqué. Écoute, l'arc létal, il est pas mal. On va l'équiper pour le moment. Flèche de jeune araignée. Invoquer une jeune araignée. J'ai une tonne de résistance au gel. C'est vachement utile dans un désert. Chavroux peut annexer une nouvelle province. Chavroux va annexer cette province-là. Chavroux devrait probablement annexer une province avec de la nourriture au passage. Là, tu sais quoi, on va annexer ça à Chavroux. Histoire d'avoir un peu de croissance. Yo, j'ai cru voir un mec à cheval s'approcher là. Ok, c'est un de mes éclaireurs. J'ai rien dit. La parano, une fois encore. Un état d'esprit. Mais mon point de départ, il est pas si mal en fait. J'aurais préféré ne pas commencer au bord de l'eau, mais je suis plus ou moins sur un cul de sac là. Bon, après, évidemment, je peux me faire attaquer par la mer. Mais d'un point de vue position de sécurité, c'est pas si mal. Ça, je merci beaucoup à Curry sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Après, le problème là, c'est que je vais avoir un peu de mal à placer plusieurs villes dans le désert. Mais bon, à terme, je pourrais probablement terraformer ça. C'est pas non plus un très gros souci. Bon, vu que notre culture est très basée sur l'or, on va miser sur l'or. Vu que les cases de sable nous rapportent plus de pièces d'or chacune, on va investir à donf. Et vous êtes de tiers combien, vous? L'air jouable. Eh, hey, l'autorisolve, il nous a tué personne cette fois-ci, c'est un miracle. Conjuration de serpent primitif. Les flèches purgatives, plus 10 dégâts contre les unités d'origine magique. Je m'en fous un peu. Les lames de fragmentation, 80% de chance d'infliger défense fragmentée, ça c'est utile. Votre dirigeant est passé au niveau supérieur. Votre dirigeant, je sais pas encore ce que je vais faire avec lui, donc. On va investir sur des éléments qui sont utiles pour tout le monde. Et au pire, je peux le respect plus tard. Construction de structure urbaine coûte 20% d'or en moins. Je sais pas si je vais vraiment en avoir super besoin de ça, parce qu'on va avoir un empire avec pas mal d'or, je pense. Pas la plus grande priorité. Ouh, nous avons croisé Noctus. Noctus, j'ai remarqué que t'es souvent très insultant lorsque tu débarques. Et il nous accueille d'ailleurs avec une hostilité de -425. Et que tu te fais régulièrement botter le cul assez vite par les autres intelligences artificielles. Je sens que tu vas me tuer un de mes sarbacanes, toi.
Ah, tu veux même tuer deux unités? Bah écoute, on va te faire la main. Choc à la chèvre a attaqué garde maraudeur. Ah, t'as un gros serpent, mec. Tu veux pas nous rejoindre? Nous aussi, on aime bien les serpents. On va la jouer plutôt défensive, là. Je vais te foutre là. Venir ici. En espérant qu'ils aient pas de sortilège de zone. Ce serait profitable. Un petit sort de soin. Sort de régénération. Va essayer de vous accueillir. J'aime beaucoup la dégaine qu'ils ont, ces élémentaires-là. Là. J'avais fait une partie sur laquelle je jouais masse élémentaire, parce que les élémentaires, ils ont l'avantage de d'évoluer. Donc lorsqu'il atteint le rang champion, lui, il se transforme en esprit de la tempête. C'est plutôt amusant comme gameplay. Donc là, désormais que j'ai débloqué le sortilège d'invocation de mon animal totem, je peux littéralement dire... Serpent surprise! Miam! Je vais te manger les fesses. Évidemment, au tour d'après, ils vont probablement attaquer le serpent et le buter, mais je m'en fous, c'est une invocation! Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pouvoir. Je peux me rapprocher, mais ça va pas faire des tirs miraculeux tout ça. Hein. Écoute, une fois encore, on va la jouer conservateur. Balancer sur la droite. Avec l'arc, je devrais pouvoir toucher quelqu'un d'ici. Ça va pas être un tir miraculeux, mais on va l'essayer quand même. Eh, tu vois, parfois ça passe, un tir pas miraculeux. Là, ce que j'aimerais, j'ai raté le mec et j'ai tiré sur mon propre serpent. Là, ce que j'aimerais, ce serait qu'ils attaquent principalement le serpent, que je puisse les attaquer sur le flanc. Ce serait très profitable. Ok, tout a marché sur les plantes toxiques. Ok, le serpent, ils en ont rien à foutre, c'est pas idéal. Ah, serpent contre serpent, ça m'arrange. Techniquement, l'unité la plus dangereuse de leur armée pour l'instant, c'est leur serpent. Ok. Toi, Billy, on va te donner un petit peu d'harmonie. Ça me fait pas super rêver, fils. Yeah. Excellent tir, excellent tir. Ils sont plus, j'ai réussi à l'aveugler parce que la fureur des dunes s'est déclenchée pendant le combat. Je vais peut-être pouvoir te finir avec mon champion. C'est pas idéal, mais je préférais te buter avec lui. Ça me permettrait de bouger les lanciers pour les prendre sur le flanc. Je pense qu'il vaut mieux que je la joue défensive sur lui, il a plus suffisamment de ville. Il essaye de s'enfuir à cause du moral faible? Ou il essaye de m'attaquer dans le dos? Il essaye de m'attaquer dans le dos. Serpent, il fait plus mal que ton serpent, mec. Puis le mien en plus, s'il meurt, je m'en contrefous. Donc j'ai l'avantage là-dessus. J'avais davantage de mana, je pourrais même en invoquer un deuxième.
Non. Désormais le moral à fond. Toi, tu es probablement mort. Et bon, là par contre, vu la quantité de vie relativement réduite dont je dispose, je pense qu'il va falloir se calmer un peu sur les combats. Peut-être pas le pire des endroits où placer une ville dans le coin. Et en bas, il y a des bonnes ressources, là. Peut-être aller se placer genre un avant-poste ici. Ça me permettra aussi de me régénérer un chouïa. Le chantier naval, tu donnes de l'or. Je suis pas vraiment en dèche d'or. Je vais pas avoir des masses de mana. Méfie. Bien que je joue un champion et non un roi mage, avoir du mana, c'est quand même très très utile. Prêt à lancer. J'ai pas vraiment besoin de ça. Un autre dirigeant a ouvert des négociations. Avec Trou de Feu. C'est que moi qui ai le droit de négocier avec Trou de Feu, mon vieux. Je leur propose de la préparation H. Ouais, je pourrais être placé genre là, la ville, ce serait pas mal. Ou je pourrais être placé directement ici. Peut-être au bord de l'eau. Ouais, je pense que je vais me placer directement ici. Nous avons des offres de héros, certes, mais à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment besoin d'un deuxième héros. Et tandis, j'y penserai, les amis. Quelqu'un qui vient de fonder quelque chose à droite. Belle au bestia supplie désespérément vos armées de dégager le camp de brigands. Mais oui, on va dégager le camp de brigands, ma vieille. T'inquiète pas, il est un peu à l'autre bout du monde, le camp de brigands, ma chère. T'aurais pu le préciser avant de nous embaucher, mais c'est pas grave. Et toi, tu as squeeze casse ici. Je sais même pas si j'ai débloqué la circulation sur les mers, moi. Si, c'est bon. Relou avec son camp de brigand qui est à l'autre bout de l'univers, elle. Je désire pas recruter de héros pour le moment. Généralement, j'aime pas recruter un héros tant qu'il a pas une armée disponible pour la diriger. Je vois pas trop l'intérêt. Après, évidemment, tu peux coller plusieurs héros dans la même armée, mais ça a été nerfé par le dernier patch, donc... Ainea qui dit « Je suis trop nul à ce jeu ». Ah bah, c'est un jeu complexe, Age of Wonders 4. Après, c'est pas non plus un jeu très difficile. Puis, il y a des modes de difficulté relativement accessibles, si jamais tu le désires. Tu peux même activer des handicaps pour l'intelligence artificielle, si jamais. Pire. De quoi j'ai besoin, un chevreau? J'ai besoin de mana, mais j'ai pas vraiment d'options pour le mana. C'est un problème. J'aime également pas trop le fait que Trou de Feu commence à s'étendre vers le sud. Là. Bon, ça c'est un truc qu'on pourra résoudre. Une fois qu'on aura intégré la ville. Ah, ça tu vois, ça va être serviable. Anéa qui dit le pire jeu où je me sens nul, c'est For the King 2. For the King 2 est assez dur, donc je suis pas vraiment surpris que tu trouves ça compliqué. Enfin, compliqué, difficile. J'ai vachement moins accroché à For the King 2 que je l'avais fait sur le premier, je dois dire. J'ai vraiment pas trouvé que les apports... Hein. Tout le monde me déteste, là, c'est... triste. J'ai vraiment pas trouvé que les apports de la suite étaient suffisamment conséquents pour vraiment révolutionner le truc. Et coach, je pourrais les laisser partir ou je pourrais les flinguer. Et je vais les flinguer.
anneau pare-flammes. De résistance au feu, je dois avouer que j'en ai un peu rien à foutre. J'ai remarqué que c'est vraiment très rare que je joue alignement bon dans Age of Wonders. Ça en dit peut-être beaucoup sur moi, tout ça. Ce combat, il va pas être aisé. On va l'esquiver pour le moment, celui-là. Écoute, dans le fond, la résistance au feu va être plus utile que la résistance au gel dans le coin. Soins spirituels. Écoute, j'ai déjà un pouvoir de soin. Est-ce bien utile d'en avoir un deuxième? Vision de malheur, rage téméraire, détonation de feu, rétribution, cure de jouvence. Et tout ça, ça me fait pas super rêver. On va prendre la cure de jouvence massive. Malnéa qui dit je l'ai trouvé nul, j'ai arrêté après 5 heures. Bah, j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai trouvé nul, mais ouais, je l'ai pas trouvé aussi intéressant que le premier. Monture aigle, je suis absolument preneur par contre. Il y a un des traits d'ailleurs dans la création de faction qui te permet de récupérer une monture aigle dès le départ. Je crois que c'est l'un des traits les plus coûteux du jeu. Mais c'est relativement logique. Monture volante, c'est très puissant. Lame de fragmenté. Quoi qu'honnêtement, avec le mana que j'ai, je sais pas si c'est très malin d'invoquer ça pour le moment. Ouais, vous me faites pas rêver, les mecs. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à avoir apprécié. For the King 2 moins que le premier, parce que j'ai l'impression que le 1, qui était quand même assez respecté lorsqu'il est sorti, a reçu un accueil vachement plus enthousiaste que le deuxième. J'ai l'impression que le 2, il est sorti un peu dans l'anonymat. Je me fais peut-être des films. Reprendre le tome de l'alchimie, je pourrais prendre le tome de l'évolution, qui est toujours un tome très sympathique. Je vais prendre le tome de l'évolution. C'est un de mes tomes favoris en début de partie. Et en plus une viabilité relativement longue, ce qui est toujours bon à prendre. Le gamin qui dit le 2 a peut-être un goût de 1.5, non? Bah... Je sais pas si t'as pas peut-être cerné un peu le problème. Et puis honnêtement, ça va peut-être paraître un peu paradoxal, mais je trouve les graphismes plus détaillés du 2 moins charmants que les graphismes très polygoneux du 1. Écoute, je peux me permettre de perdre 168 d'or pour flatter ton ego, ma vieille. Chavrou peut annexer une nouvelle province. Ou va annexer des provinces qui sont pas loin là de Trou de Feu, parce que Trou de Feu, vous vous rapprochez un peu trop, les amis. Je suis pas fan. Parce que For the King 1, je l'avais pas non plus streamé... Ah tiens, il y a une autre chèvre. For the King 1, je l'avais pas nécessairement streamé de manière très conséquente, mais j'y avais beaucoup joué sur mon temps libre. J'avais débloqué quasiment tout ce qu'il y avait à débloquer dedans. J'ai reçu une insulte. Pas très aimable, les voisins, pour l'instant. Boule au pied l'ermite. Une personnalité de sage harmonieux. Écoute, de tous les voisins, c'est celui qui me déteste le moins pour l'instant. Belma qui demande est-ce qu'on peut récupérer les peuples créés par les autres joueurs dans ses propres parties. Je sais pas si tu peux partager tes factions avec d'autres joueurs.
Après, rien ne t'empêche à recopier ce qu'ils ont fait, mais... Je sais pas s'il y a un moyen de les partager via des outils communautaires, je dois t'avouer que j'ai jamais essayé. Je vais m'éloigner un peu. Oui, je préférais les attaquer individuellement plutôt qu'ensemble. Camp des sculpteurs de runes qui rapporte plus 3 de mana par carrière limitrophe. Nous avons une carrière ici. Pourrait attirer des habitants. Et te coller là. Il vaudrait mieux que je construise une taverne avant que la population soit vénère. Et au prochain tour, je vais fonder une ville ici. Donc, au prochain tour, je vais peut-être perdre cet avant-poste parce que j'avais pas vu les maraudeurs juste à côté. C'est un problème. C'est pas un gros problème, c'est un problème. Ah, t'es mignon, toi. Absolument adorable. Reliax qui dit ils sont stockés dans un dossier spécifique des sauvegardes, donc ça doit être transférable, oui. Ah bah c'est plutôt cool. Après, je dois avouer que j'ai jamais essayé. Si on peut bel et bien les transférer, il devrait essayer de créer des outils communautaires qui te permettraient de le faire plus aisément que de devoir transférer des sauvegardes. Pour être fun. On va se recruter un nouveau héros. J'hésite beaucoup entre l'oiseau et l'autre oiseau. Vous avez tous les deux des dégaines absolument à mourir de rire, les amis. Écoute, on va prendre cet oiseau là qui a l'air d'être très sérieux. Il y aura un showbill. Il y a également 4 mètres de haut. Écoutez, mec. Restez là. Est-ce que j'ai du matos de meilleure qualité à te donner? Épée bâtarde de féodal. Couperet puissant. Le couperet puissant fait plus mal. La monture est très moche. C'est pas grave. Également gagner 2 niveaux. Ah, tu es un seigneur féodal. Seigneur de la guerre. Seigneur de la production. Seigneur des cultures, seigneur du savoir, seigneur de la magie. Je vais te mettre en seigneur de la magie. Ça peut paraître un peu paradoxal vu que t'as pas l'air d'être le mec le plus magie de l'univers. Et j'ai besoin de génération de mana, donc tu peux me faire de la génération de mana. Également te raccourcir un peu les jambes, mon vieux, parce que t'as une apparence un petit peu funeste. Je vais peut-être valider tes changements. Excellent. Ok, bon, lui, on va le laisser là jusqu'à ce que l'armée soit recrutée. Rencontre expansionniste avec Peraphène. C'est qui Peraphène? C'est une ville qui se trouve là-haut. Fort bien. Et vous n'êtes pas vraiment à proximité, les mecs. Je m'en fous complètement. Eh ben, on en rencontre des gens là. Eux, ils nous ont déclaré la guerre immédiatement, ce qui n'est pas très sympathique de leur part. J'ai remarqué que les villes indépendantes souterraines sont toujours très agressives. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'absence de soleil. Donc, Roswell, je pourrais aller vous aider à vous défendre contre les pilleurs, mais je vais en profiter pour aller péter la gueule aux brigands. Nice, nous avons trouvé un marteau de nain et une furie du tourbillon. Vous pouvez rembourser votre dette en m'apportant quelques-uns de vos soldats, souvenez-vous. Ouais. Les soldats, je m'en fous un peu, je dois dire. Oh, furie du tourbillon, elle a l'air plutôt rigolo.
Oh Billy, tu voudrais pas une petite furie du tourbillon des fois? Voilà une arme fort subtile, ma foi. T'as perdu ta monture moche au passage en plus, ce qui est clairement une qualité. Ok, nous allons fonder une ville d'hommes-chèvres sauvages. À terme, je vais pouvoir également intégrer eux là, mais pour le moment, c'est pas vraiment une urgence. Lancer l'enchantement de l'explorateur. Nous allons également lancer des outils éveillés. Lui, il est en train de se faire piller la gueule, mais désolé mec, hein, mon objectif de quête c'était de se débarrasser du camp, pas de se débarrasser de tous les bandits. Chercher les marchands suspects. Ils sont où tes marchands suspects là? Là-haut. Ok, pas l'endroit le plus accessible, mais c'est pas grave, hein. Faire un détour par la mer. Vitalité draconienne va nous rendre très laid mais puissant. Pour le coup, vous, je vais vous remplacer par des jeunes rampants. Ils sont pas des très bonnes unités non plus, mais ils peuvent évoluer pour devenir de meilleures unités. Faut vraiment que j'investisse davantage dans mon affinité nature, moi. Ça m'aiderait du point de vue de ma croissance. Noctus s'est retiré dans le vide astral. Comme d'habitude, Noctus, il passe son temps à se faire botter le cul. C'est un grand classique. Ah, tu cherches les embrouilles, toi? Désolé, mec, mais j'ai mieux à faire. Or prêt, outil éveillé. Pas encore te lancer, car la cible n'a pas fini d'être construite. Enchantement de l'explorateur, tu peux le lancer, par contre. Je pourrais te vassaliser, toi, mais il va me falloir beaucoup plus de d'impérium pour ça. Et puis je vais être à ma limite de ville, donc ça m'intéresse pas non plus des masses pour l'instant. Faut que je fasse gaffe après, parce que comme il y a un autre camp qui essaye de les séduire, là ils ont des chances de les vassaliser avant moi. J'avoue, un produit chargeuse primale. Nous allons définir la production ici. J'ai un entrepôt et je veux également que tu deviennes le gouverneur. Pas dans ton groupe de combat. Oh, ils sont plutôt festifs. Hein. Les maraudeurs véreux. Oui, lui, il m'en veut vraiment personnellement pour avoir détruit son camp de bandits, là. Écoute, mec, c'est la vie. Hein. Et ce combat, il va pas être fastoche. Nous pouvons les soudoyer, mais nous allons évidemment les attaquer. On va essayer de le faire sans victime, mais j'y crois moyen, hein, celui-là. Ça va être compliqué. Pas mal d'unités de tier 2, là. Ce qui n'est pas mon cas. Avec quelques unités à distance, mais pas trop, donc on va la jouer défensive. Espérons une fois encore qu'ils aient pas de sortilège. Excellent! C'est l'heure de notre émission favorite, Serpent Surprise! Bon les amis, parlez-vous en cette belle journée? Écoute, toi t'as perdu à la loterie mec! Mets-toi à manger le cul par un serpent gigantesque! Etc.
Excellent. On va jouer défensif, mais pas trop. Ok, une petite araignée. Une multitude de petites araignées. Avoir une tonne d'invocations dans ce jeu, c'est tellement valable. D'ailleurs, pour ça qu'ils les ont nerfés à terme. Ok, nous avons éliminé un groupe. Bon bah là, il va pas vraiment nous réussir. Après, eux, si je les perds, honnêtement, ça me dérange pas des masses. Aliax, il est la frontline jetable à chaque bataille. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est tellement cool de pouvoir envoyer des mecs en première ligne en te disant « S'il meurt, j'en ai littéralement rien à faire. » Toujours super valable. J'ai un Hulot qui dit « Dans beaucoup de jeux, avoir des invoques, c'est super puissant en général. » Eh mais ça dépend des jeux. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux dans lesquels les invoques sont pas méga utiles. Ok, j'ai déjà perdu une sarbacane, c'est pas idéal. Bien qu'à ce stade, les sarbacanes, je désire les remplacer de toute façon. Et on regarde Diablo 4, les invoques, pas trop ça. Tu regardes également dans des jeux tels que les Pathfinder, Kingmaker et ainsi de suite, il y a beaucoup d'invoques qui servent vraiment pas à grand chose non plus. Ouais, perso, je trouve ça toujours cool d'avoir des invoques, certes. Ça, les amis, je ne sais pas si quelqu'un vous a prévenu, mais c'est l'heure de la saison 2 de votre émission de télé favorite. Serpent surprise. Les araignées, je vais vous laisser dans les flammes, car une fois de plus, vous êtes très jetables. Viscariot qui dit apparemment ils vont encore buff les invoques dans Diablo 4. Ouais, je sais, ils ont dit qu'ils allaient les buff à mort sur la saison 4, mais ils nous avaient dit la même chose sur la saison 2, et le résultat avait pas été exactement convaincant. Donc les développeurs de Diablo 4, je sais pas si je fais vraiment confiance à ce qu'ils annoncent en règle générale. Ils ont pas vraiment ma confiance, en quelque sorte. Et le zombie qui dit, on est déjà sur la saison 4 de Diablo 4. Non, c'est la prochaine, la saison 4. Nous sommes sur la saison 3 à l'heure actuelle. Que la majorité des gens semblent avoir complètement abandonné au passage. Ce qui n'est pas étonnant, elle était franchement médiocre. Il y a le Gauntlet là qui est censé enfin sortir. Le truc qui était censé être la feature principale de la saison 3 qui est toujours pas disponible. Les gens disaient « Ouais, non, ils vont le garder pour la sortie de Last Epoch. » Non, non, les mecs, c'est juste qu'ils sont nuls à chier. Ils ont toujours pas fini de le faire. Absolument grotesque. Je comprends vraiment pas comment ils se démerdent pour être aussi à chier sur Diablo 4. Moi qui dis j'ai joué 5 heures à la saison 3 et j'ai arrêté. Bah elle était pas très excitante hein, la saison 3. Faut avouer. Hein. Personnellement je pense que si la saison 4 est naze, je jouerai pas aux autres saisons jusqu'à ce qu'ils sortent une extension. Je pense qu'il y a un moment où faut reconnaître qu'ils savent pas ce qu'ils font tout simplement. Et je vais espérer que le syndrome de l'extension Blizzard fonctionnera à leur avantage, mais... Je suis pas très confiant.
Fief qui dit, est-ce qu'ils sont pas en train de lâcher le développement de Diablo 4? Absolument pas, non. Je veux dire, oubliez pas que Diablo 4 c'est naze, mais ça leur a également rapporté une montagne de pognon. Hein. Une fois encore, on parle beaucoup de Path of Exile et en ce moment on parle beaucoup de Last Epoch qui vient de sortir, mais Last Epoch ils auraient pu en vendre 10 fois plus qu'ils auraient pas vendu la moitié de Diablo 4. Hein. Bon, j'ai quand même perdu une sarbacane, mais bon, c'est pas la fin du monde vu la bataille. Nous révélons les secrets de Trou de Feu, crie le chef des espions. Trou de Feu doit payer, c'est la guerre. Faire la guerre à Trou de Feu m'arrangerait pas des masses. Augmenter les défenses de Chavroux, ce serait pas mal. Récupérer 200 pièces d'or, je m'en fous un peu. Je vais augmenter les défenses de Chavroux, ça va nous permettre de finir notre armée. Ou d'aller la déplacer à Nidur. Nidur, tu vas pas t'appeler Nidur. Nidur, tu t'appelles... Je suis en QWERTY, on se demande pourquoi. Tu t'appelles Chamois d'Or. Je mets toujours genre 5 minutes à me rappeler c'est quelle touche sur le clavier pour faire un apostrophe en QWERTY. Nice. Ok, bon, vous les mecs, vous allez essayer de revenir à la maison. Espérant que je me fasse pas intercepter par les bandits. On prendre... Ouh, l'invocation d'une nouvelle vouée, vraiment, me dérangerait pas non plus. Bon, le compagnon corbeau, il est utile. Toi, tu vas nous... Il est déjà produit grâce à l'event que je viens de faire. Nice. Et on le zombie qui dit le Alt Shift me fout en l'air une fois de temps en temps. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime vraiment pas quand les jeux vidéo utilisent Alt pour une certaine fonction. Parce que la grosse majorité des jeux vidéo utilisent Shift pour sprinter ou pour esquiver. Et tu te retrouves souvent dans la merde à switcher en QWERTY et puis c'est le bordel. Berger, ce serait très thématique. Ouais, je sais pas à quel point est-ce que je vais utiliser beaucoup d'unités avec des évolutions, mais bon, je suis une chèvre, donc je vais être un berger. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais, moi. Je veux plus 5 de nourriture dans mes fermes. Rivalité vient d'être déclarée contre nous. Ok. C'est un mec qui s'invoque des conflits à lui tout seul. C'est le genre de mec qui dit « good vibes only », toi. Le mec qui dit « pas de drama » et qui commence tous les dramas lui-même. Oui, je m'en doutais que t'allais m'attaquer, toi. Tu m'en veux personnellement depuis une demi-heure. Théo le zombie qui dit « suite à ton stream, j'ai pris Solium Infernum, j'aime bien mais ça demande un rééquilibrage ». Le truc avec Solium Infernum, c'est que j'ai l'impression que les reliques, il y en a quand même qui sont peut-être un peu trop puissantes. Et en conséquence, oui, je pense que t'as pas tort quand tu dis que ça demande un rééquilibrage. Surtout que vu que comme c'est un jeu qui a vocation à être joué principalement en multijoueur, ça risque d'être un problème. Donc je pense que t'as pas nécessairement tort là-dessus. Ouais, je trouve que c'est un jeu très fun, mais c'est vraiment un jeu... Ah, lui, à côté, il va être relou. Je pense que c'est vraiment un jeu qui va être difficilement accessible pour beaucoup de gens. Parce que les jeux qui sont principalement multijoueurs... Et en tour par tour, c'est pas aisé d'organiser des parties. D'ailleurs, pour ça, que même des jeux que j'aime beaucoup, tels que Civilization, par exemple... J'y joue jamais en multi alors que j'aimerais vraiment bien, c'est pas que l'envie manque, c'est plus que... C'est pas aisé de trouver quelqu'un avec qui jouer en multi à ce genre de jeu, quoi. Et puis je pense qu'un autre problème qu'il va y avoir aussi pour les gens qui vont débarquer dans Solium Infernum, c'est que comme le jeu est relativement similaire à ce qu'était la version qui est sortie il y a 10 ans,
Les mecs qui y jouent depuis plus de 10 ans, ils vont débarquer sur la nouvelle version et ils vont rouler sur la gueule de tout le monde. Je pense. Oh, bonjour! Un dragon qui s'appelle Shoka au passage. Merveilleux. Je sais pas si je suis très ravi de te croiser, vieux. Ok, bon, lui, clairement, ça va être un gros problème. Va falloir qu'on se prépare à l'accueillir. Javrou peut annexer une nouvelle province. Où tu vas nous annexer ça? Répondre à l'offre du héros. Oh putain, il y a encore un oiseau avec un arc. Oh, il y a également des grenouilles magiques. Fantastique. Et il y a un mec avec un gun. Cool. Écoute, j'ai un a priori envers les gobelins avec des guns, donc je vais prendre le gobelin avec le gun. Bienvenue, mec. On va te crafter une petite armée. Crafter une armée pure rampeur, toi. Comme ça, je te balancerai le... l'enchantement d'évolution. Ça pourrait être drôle. Arki sur le chat qui dit perso, je trouve ma cam dans Last Epoch. Diablo 4, je m'y intéressais lors de l'annonce de l'extension pour combler le fanboy de la licence qui dort en moi, mais même là, j'y crois plus réellement. Bah, personnellement, leurs saisons m'ont clairement toutes déçu. Même la 2 qui était la meilleure des 3, mais qui était pas non plus formidable. Je reste enthousiaste vis-à-vis de l'extension parce que historiquement, généralement, Blizzard fait toujours du bon taf sur les extensions. Après, oui, il est indéniable que je me suis largement plus amusé sur quelques mois de Last Epoch que sur Diablo 4. Fait aucun doute. Pourtant, je suis pas non plus le joueur de Last Epoch le plus enthousiaste, donc... Je pense même d'ailleurs que le retour à Diablo 4 lors de la saison 4 va être très dur à cause de Last Epoch. Je pense que le passage de l'un à l'autre va être assez, assez compliqué. Et on le zombie qui dit après, faut voir la tête de Blizzard avec tous ces licenciements. Oh, t'inquiète qu'ils ont quand même plus de développeurs que les mecs de Path of Exile et de Last Epoch combinés et multipliés par 5. Je crois qu'ils étaient littéralement 900 sur Diablo 4. Bon, une fois encore, hein, dans le fond, le jeu leur rapporte une montagne de fric, donc je sais pas s'ils ont autant de déceptions à son sujet que nous. Pas comme si c'était leur... Hein. Priorité numéro 1 de faire des bons jeux ces dernières années à Blizzard. Et je sais qu'il va être fâché, le voisin, mais c'est la vie. Fais-moi... Non, pas ça. Le grenier en premier. Merci bien. Yo, le zombie qui dit oui, certes, mais la restructuration au niveau macro, ça doit être un de ces bordels à gérer. Je doute beaucoup que le gros des licenciements qui a été fait sur Blizzard soit dans le cœur des équipes de développement de Diablo 4. Mais je me trompe peut-être, évidemment. Bonjour, Tugrum Hammerhall. Comment tu vas ? Ok, notre troisième armée est quasiment ready. Il va falloir qu'on la fasse XP un peu, celle-là, mais on verra. Maniax, il dit le voisin qui récupère une ressource rare collée à la ville. À l'intelligence artificielle d'Age of Wonders, bien que je la critique régulièrement et à raison, elle est très douée pour partir directement vers les ressources rares qui t'intéressent.
D'ailleurs, pour ça que Mulmok et son leader qui s'appelle Werlak d'Inzaldur est désormais ma cible numéro 1. Après, je pense qu'il est très probablement plus balèze que moi. Oui, il est très probablement plus balèze que moi. Bon, on va essayer hein, de gérer. On va se faire trois armées. Tu sais quoi, toi, Billy, prends un chèque et recrute-toi plus vite. On va essayer de foutre la merde chez lui. Sort prêt à lancer. Compagnon, corbeau, outil éveillé, j'en ai pas besoin. La vocation du golem de cuivre pourrait éventuellement être utile à terme. Un impérium. Tenter ma limite de vide. J'ai pas quitté le chat et je sais pas pourquoi tu m'en veux, mais t'es un chat, les décisions que tu prends ont généralement très peu de sens. Bon, Fif qui dit plus ça va, plus je me dis que c'est pas terrible d'être dev dans les jeux vidéo. Oui, enfin ça c'est pas nouveau, hein. Je pense que les gens qui ont jamais travaillé dans l'industrie en sont peut-être davantage conscients de nos jours, mais ça a jamais été. Ça a jamais été une position très enviable à bien des égards. Nous allons chercher le frère de Larissa qui visiblement a été mangé par Shai-Hulud. C'est pas vraiment le meilleur moment pour aller faire des quêtes, mais ça nous fera un peu d'XP. Très envie de prendre ce territoire juste pour faire chier le voisin, mais je sais pas si c'est vraiment de ça dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Sortilège de corbeau. Route. Il dit donc que c'est miraculeux nulle part en ce moment, et dans le jeu vidéo et la tech, ils ont toujours été un cran au-dessus en matière de situation précaire pour des employés de bureau. Oh, dans la tech, t'as des jobs qui sont très bien payés, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie des gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, lorsqu'ils se font licencier ou lorsqu'ils démissionnent, ils vont travailler dans la tech. Après, en ce moment, c'est pas le bon secteur, la tech, parce que c'est pareil, ça licencie en boucle. Ouais, alors la quête, elle est cool, mais elle est loin et je peux pas vraiment passer. Après, je pourrais passer si je déclare la guerre à Mulmok, ce qui, dans le fond, est ce que j'avais l'intention de faire. Je pense qu'il va mal le prendre. Et puis, je pense également qu'il est un peu mieux équipé que moi, Mulmok. Dans le fond. Écoute, Mulmok, je vais me rapprocher de tes frontières de manière complètement innocente. Tel que je le ferai dans Civilization 5. Et on va voir comment tout ça se déroule. Ok, lui vient de me déclarer la guerre. Ben écoute, mon gars, tu viens de sauver la vie à Mulmok. J'ai besoin de passer. Je vais passer chez toi, du coup. Tout, j'ai pas vraiment vu ce que tu fais depuis le début, toi, mais j'ai vu que tu t'étais déjà fait botter le cul une fois, donc c'est que tu dois pas être non plus dans une situation de puissance incommensurable. Tome de la machine. Golem de bronze. Si je devais faire un golem, c'est pas en bronze non plus que je le ferais. Vous avez vraiment des choix de matière pour vos golems qui sont un peu inquiétantes, les mecs. Ça, c'est un des nouveaux thèmes de tome de magie. Après, il est pas très adapté à ce que je suis en train de faire, là. Donc je ne vais pas le sélectionner. Nous allons prendre le tome de la machine, peut-être? Le tome d'artifice, il est sympa aussi. Ouais, on va prendre le tome d'artifice. Artifice, I like to think.
Chavroux a produit un chantier naval. Ça c'est toujours il. Et au passage, le gobelin avec ton flingue, j'ai pas regardé, est-ce que j'ai de l'équipement que je peux te donner? Une dague d'assassin, vas-y, balance. À niveau équipement, là, je suis pas grandiose. Faudrait que je débloque la forge dans ma tour de mage pour pouvoir crafter de l'équipement. Les gars, vous auriez pu choisir des couleurs de faction un peu plus différentes tous les deux. Le bleu marine et le violet, là, c'est pas très aisé de vous séparer, chers amis. Chamois d'or peut annexer une nouvelle province. Chamois d'or va continuer d'annexer de manière très insolente. Le voisin, il va très mal le prendre, mais bon. Le régent a été dénoncé. Une ville libre peut être intégrée, nice. Il me faut 410 d'impérium, j'ai 40 d'impérium. Rendez-vous dans 10 tours, les gars. Ouais, que je pense dans ma... Dans ma capitale à améliorer ma tour de mage, qu'on puisse commencer à crafter des objets magiques. Toujours tendance à oublier de le faire. Tour de mage, fondation, tour de mage, forge d'objets. Ok, bon, il y a clairement une de ces armées qui est devant, mais est-ce que t'en as plusieurs des armées devant, mec? Il fait des bruits très suspects, le gobelin, et je comprends que c'est très thématique, mais c'est un peu effrayant aussi. Ok, t'as trois armées, mais c'est pas les armées les plus effrayantes de l'histoire. Dérange pas trop si je pille une de tes fermes, mon vieux. Chavroux, nous pouvons capturer une nouvelle position. On pourrait capturer ça, là, mais le temps que j'aille le libérer, je pense qu'on peut s'en passer. J'ai d'autres bâtiments spéciaux que je peux construire à l'heure actuelle. La mine de golem. Génère un golem de fer à côté du propriétaire pour combattre dans ce domaine. Compte comme une mine. 5 productions par carrière limitrophe. Écoute, on va t'installer là. Parce qu'il y a 2 carrières limitrophes à côté. Mégalithe de dune. 4 d'or par province de sable limitrophe. Oui, alors ça, c'est pas ça qui va manquer, mec. C'est pas ça qui va manquer, du sable dans le coin. Si tu veux tout savoir, ok. L'enchantement d'évolution rapide, il va être très utile. Noctus a lancé prélude de ruine sur moi. Ok, c'est regrettable. Ah, merde, ils ont publié une prime, je l'ai pas vu. Je me rappelle jamais où on les ouvre, les primes. Je crois que c'est là-dedans. Je vais finir par le trouver. Ah voilà, les primes. Capturer Cendreville. Ouais, c'est un peu loin, mec. Désolé. Hein. Donc ça, c'est un nouveau système qu'ils ont rajouté avec le patch qui accompagne ce DLC. Il permet de créer des quêtes, entre guillemets, pour l'intelligence artificielle ou les autres joueurs. Et là, en l'occurrence, l'intelligence artificielle a créé une quête pour capturer cette ville. Qui est récompensée par de la thune. Je pense que c'est un système très intelligent dans l'idée. Le problème, les récompenses sont pas assez personnalisables. Parce que je crois qu'au max, tu peux faire des récompenses de genre 500 pièces d'or et compagnie. Et en fin de partie, je veux dire, 500 pièces d'or, tu t'en bats les steaks parce que tu les as. Après, le truc que j'ai trouvé cool, c'est que l'intelligence artificielle, lorsqu'ils sont intéressés, ils sont absolument... actifs sur les primes, ce qui veut dire qu'ils vont aller essayer de les remplir, ce qui leur donne davantage d'initiative. Donne-moi de l'or, mec.
Nous allons commencer à assiéger ta ville, mon vieux. Nous allons construire des onagres et nous allons affaiblir les murs. Construit un forgeron. Nous avons lancé l'enchantement d'évolution rapide pour que nos lézards deviennent des plus grands lézards. Résumé sur le chat qui dit je viens de reprendre un Joe Founders 4 suite à ta dernière vidéo après l'avoir drop quelques semaines après la sortie et il a bien changé que ce soit sur l'IA, les changements de qualité de vie, les nouvelles liées au DLC, ça fait plaisir. Ouais honnêtement je trouve que le jeu désormais il est dans un bon état. Que t'achètes les DLC ou non. Les DLC je les trouve bien, il y en a juste un que je trouve trop cher. Je trouve en plus qu'ils se rendent pas vraiment service parce que le... Nos objectifs ont été compromis, je crois que le... Je crois que le mec qu'on devait tuer pour la quête s'est fait tuer par quelqu'un d'autre. Écoute, c'est la vie. Mais ouais, les DLC, je trouve qu'ils se rendent pas vraiment service à les vendre à des prix aussi différents, parce que la différence de contenu entre celui qui vaut 10€ et celui qui vend 20, qui coûte 20€ donne pas vraiment envie d'acheter celui qui coûte 20€. Et Dune sur Jade qui dit pour ceux que ça intéresse, sur Steam, il y a des grosses soldes sur les Steam World. Ouais, je l'avais noté sur le Discord de Mana la dernière fois, il y avait notamment Steam World Heist à genre 1,49€. À ce prix-là, si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, prenez-le. C'est vraiment un très chouette jeu. Et un des jeux tactiques en tour par tour les plus originaux que j'ai pu voir venir du monde de la console. Je crois que c'était un jeu DS à l'origine, ça, ou 3DS. J'avais trouvé vraiment très chouette. J'ai l'impression que Steam World Build a fait un four par contre. Et je dois avouer, malgré le fait que j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu du tout, que je suis pas nécessairement surpris qu'il ait fait un bide. Il était un peu trop timide, j'ai trouvé, sur le design. Steam World Build. Ah, bataille à faible risque. Donne-moi l'idée de ne pas prendre de faible risque, mon vieux. Bataille gagnée par choc à la chèvre. Alors le truc qui est très paradoxal, mon cher... comment tu t'appelles déjà, Noctus? C'est que j'ai attaqué ta ville pour aller accomplir une quête, mais entre-temps, la quête a été annulée. Donc au final, je vais raser ta ville pour absolument rien. Ce qui est très triste, hein. Mais c'est triste pour toi, pas vraiment pour moi. Tant de violence absolument pas nécessaire. Je pourrais la convertir, sa ville, mais honnêtement, son placement m'enchante pas des masses. Puis j'aimerais bien intégrer Trou de Feu relativement vite également. Si je peux. Alors, ici sur le chat qui demande, je me demande s'ils vont faire une deuxième saison de DLC pour le coup. Bah, il y a encore un DLC à 19,99€ de prévu. Je sais plus comment il s'appelle, mais ils l'ont déjà annoncé. Après, je sais pas. Ça dépendra probablement des ventes du DLC. Honnêtement, s'ils continuent à faire des DLC de la qualité de celui-ci, je suis preneur, perso. Leur DLC à 20€ moins... Bon, après, je dis ça, perso, je les paye pas, hein, mais... Mais leur DLC à 10€, que ce soit celui-là ou l'autre, je les trouve plutôt réussis. Toi, Billy, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu vas mourir. C'était prévu. Pas idéal, mais c'était prévu. Au passage, Steven, t'en as d'autres des villes parce que... J'espère pour toi que t'en as d'autres, hein, parce que celle-là, elle brûle. Hein. Je vais continuer à la brûler, si tu veux tout savoir. Ah, elle est tellement grotesque, ton épée, je suis absolument fan. T'as quoi comme aptitude, déjà, toi? Non primitif, seigneur de magie, vigueur. Ok, on va... Mana libéré, rage téméraire, invoquer un élémentaire, invoquer un élémentaire. Plus les invoques, très utiles. Assistant golem. Quelle compétence de développement d'impie. Ouais, faut pas que j'investisse là parce que je veux mettre de l'impérium de côté pour intégrer. Trou de feu.
Ok, attaque un de mes éclaireurs, mec, fais-toi plaisir, j'en crafte un autre. J'en ai un élevé qui dit si les DLC sont bons, pourquoi pas après tout. Bah, je dois avouer que je préfère généralement le format d'extension, mais bon, si les DLC sont bons, une fois de plus, je ne suis pas nécessairement contre. Et puis, je dois avouer que j'ai également beaucoup apprécié la qualité du patch qui était. Fourni avec ce DLC. Il n'y a pas un endroit pour passer sous terre dans le coin? Ah, il y en a un, mais il est là-haut. Super idéal. Écoute, on va se calmer sur le conflit. Dans le fond, tu m'intéresses pas beaucoup, Noctus, Nictus, Mictus, là. Message reçu. J'ai bien mérité mon attention, mec, t'habites à l'autre bout de l'univers. Vous me contrariez, choc à la chèvre. Certes, tu me contraries aussi, mon gars. De te vendre cette doléance. Je vais de toute façon probablement t'inciter à me déclarer la guerre pas tard. Prima qui dit Steam World Land of Gilgamesh avait été offert sur l'Epic Game Store, me semble, ou c'était sur Prime, me rappelle plus. Je crois que c'est le seul Steam World auquel j'ai pas joué. Je dis pas de conneries. Il me semble qu'il avait été relativement bien reçu, mais. Je me rappelle plus pourquoi j'y avais pas joué, honnêtement. Endeavor qui demande si c'était 30€ le Season Pass. Honnêtement, je ne saurais pas te le dire. Après, si le Season Pass est à 30€, c'est finalement le prix d'une extension et le contenu qui est offert est sympatoche. Surtout qu'il y a encore un DLC de prévu dans le tas. Et je dois avouer que je sais pas combien il coûte le Season Pass. Est-ce que je continue à m'installer? Ouais, il vaudrait mieux que je continue à m'installer dans le désert. Il n'y a pas grand chose de très intéressant à construire. La ressource la plus intéressante qu'il y avait dans les environs, il y a le voisin qui me la chourave, donc c'est un peu un problème. Les galites de dune, ils pourraient être valables. J'aurais pas dû te mettre là, mec, c'était très idiot de ma part, mais c'est pas grave. J'ai reçu une proposition commerciale. Rien de magie. Écoute, entre chèvres, on peut bien s'entendre, mon vieux. Tus a lancé Prélude de Ruine. Mec, je suis en train de raser ta ville, de quoi tu parles? Tus, il vient de déclarer la guerre aux voisins. Noctus, vraiment, il t'arrive que des trucs fâcheux, mon vieux. Quelqu'un qui veut que je capture Airworld? Oui, c'est un peu loin, les amis, désolé. Je vais créer une nouvelle. Je pourrais créer une prime pour la ville de, de Noctus, des fois. Je vais offrir. J'ai de l'or, hein. Nous allons offrir de l'or pour capturer la ville de Noctus. Hein. Les dirigeants n'étaient pas intéressés. Dommage. Nadum qui dit Steam World Quest End of Gilgamesh est vraiment fun et il est à 4,99€ sur Steam en ce moment. Ah, bah écoute, peut-être que je me l'achèterai dans le fond. C'est vrai que j'y avais pas joué quand il est sorti. Après, ça se trouve, je regarde dans ma boîte mail et il m'avait envoyé une clé à l'époque. C'est un truc qui m'est arrivé, ça, de temps en temps, d'acheter un jeu et de réaliser qu'on me l'avait donné.
C'est Miss Carnot qui dit le prochain DLC est Eldritch Realms, ce qui augure du bon pour les fans de Pulp. Ouais, j'imagine qu'il aura une thématique très astrale, du coup. Ça paraîtrait dans le ton. Tu me demandes de la thune pour faire la paix avec toi, mec. T'as regardé ta ville? Ah non, t'as pas regardé ta ville, elle a brûlé. Fume, mon vieux. Vais te déclarer une rivalité, mon vieux. Astellos qui dit Astral Ombre vu le thème Lovecraftien. Ouais, ça aurait du sens. Il pourrait également faire Astral Chaos. Je pense que ça pourrait également fonctionner. Ah, nous avons fini la tour à objets, cool. Du coup, balance la forge. Qu'est-ce que j'ai qui me sert à rien? Masse percutante. Marteau de nain. Le warg, on peut le cramer. Je sais pas vraiment comment on désenchante un warg. Je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir comment on désenchante un warg. Ok. Désenchanter tout ça. Est-ce que tu pourrais me crafter l'arme magique la plus puissante qui soit? Un glock. Je pourrais me faire un bon petit bâton magique aussi. Me faire un Glock. J'ai que les dégâts physiques pour le moment. Je dois pas avoir des masses d'infusion à l'heure actuelle, hein, ouais. Pourcent de chance de couper. On va se mettre frénésie. On va se mettre saignement. Et on va rien se mettre d'autre parce que sinon on va pas pouvoir le crafter. Fantastique, à dans 3 tours. Regarde, le mec il dit j'aurais tendance à faire comme Stellaris, tu prends le jeu de base puis tu pioches si le jeu te plaît vraiment. Ouais, non, c'est sûr. Je sais pas où il va lui, mais vu qu'il est en guerre contre Noctus aussi, j'imagine qu'il lui cherche peut-être des emmerdes. Je vais gentiment, une fois en plus, me rapprocher de manière, mais alors vraiment complètement innocente de sa capitale. Le prime a été publié. Ben, les mecs, vous voulez capturer que des villes qui sont à 600 km? Moi, je peux pas vraiment vous aider, hein, désolé. Éventuellement, ça pourra être apporté, ça. Il reste 27 tours pour le faire. Je sais pas si je vais m'en rappeler, honnêtement. Mangul qui dit « révolutionne pas la roue, mais je l'aime bien, End of Gilgamesh. » Bah honnêtement, les jeux SteamWorld, ils révolutionnent rarement la roue. Hein. Et c'est pas un problème, hein. Je dirais que l'un de ceux qui m'avait le plus surpris d'un point de vue design, c'était vraiment SteamWorld Heist. Qui avait réussi à complètement renverser le côté jeu tactique en tour par tour sur la tête, ce que j'avais trouvé plutôt amusant. Ok, une nouvelle vouivre, 100 mois. Chamois d'or a produit un chantier naval. Chamois d'or a produit également un golem de fer. Chamois d'or, ils produisent plein de trucs. Et au passage, toi Steve, j'ai pas les moyens de t'intégrer désormais. Non, 490, je vois que le prix a augmenté, c'est l'inflation, hein. Ça. C'est ça que la boîte de conserve de pois chiches, elle a augmenté de genre 50 centimes.
Une fois de plus, ici, j'ai principalement besoin de mana et pas vraiment beaucoup de moyens d'en produire, hélas. On va se capturer cet endroit-là. Hein. Passage, merci beaucoup à Sparda sur le chat de t'être réabonné. C'est très généreux de ta part. Yo, pourquoi vous arrêtez pas de buter mes éclaireurs, les mecs? Ils vous ont fait quoi, mes éclaireurs? Ils essayent simplement de découvrir le monde pour la science et pour les chèvres. Ils désormais ressemblent davantage à des lézards qu'à des chèvres. J'ai un peu déçu que ma transformation en dragon m'ait fait perdre mes cornes au passage. Hein, dans le fond, je devrais quand même avoir des cornes. Des assassins sont à mes trousses. Ok, écoute. T'as des assassins à tes trousses, ma chère, on va te donner des gardes du corps, ça va ralentir le déploiement de mes éclaireurs, mais pas giga pressé d'avoir des éclaireurs, donc... plus 10 de production et de nourriture, on va se prendre une crypte, on va se prendre une cellule... Je vais également augmenter la tour de mage, parce que je voudrais débloquer le sortilège de téléportation relativement vite, si possible. Ah, j'avais pas vu, il y a un passage vers le sous-sol ici aussi. Ce qui est une excellente chose. Construction de balises à répétition. Je vais prendre la communion primitive du serpent qui nous permettra de partager notre bénédiction du serpent avec nos alliés. Nous avons fini de fabriquer notre Glock. Nice. C'est l'heure de reroll, mec. Désormais être un pro du tir à distance. Ah, si t'as vraiment besoin des frappes de fragmentation avec le fusil, parce qu'avec le fusil tu tires généralement qu'une seule fois. Arc 2. Honnêtement, l'entretien de mon armée me dérange pas des masses à l'heure actuelle. Je vais me donner un peu de vigueur. J'ai déjà un sort de soin, moi, non? Non. Assistant golem, c'est cool aussi. C'est pas une très bonne unité, mais c'est toujours une unité en plus dont j'ai un peu rien à foutre. C'est là. Regarde qui dit tu peux absorber la ville neutre, non? Bah à moins qu'ils aient augmenté le prix, probablement. Oui, c'est bon. Excellent. Respectons trou de feu. Une phrase à ne pas sortir de son contexte. Nous allons mettre Yaruan Pont, notre gobelin avec un Glock. En charge de cette ville. Comte Yaruan Pont. Non, tu es... Goblin Wick. Cousin éloigné de John Wick. Probablement très éloigné. Probablement vraiment très éloigné. Rosin qui dit tu peux désactiver l'apparence des transformations dans le livre de sort. Ouais, je sais, mais j'aime bien les transformations, même si je regrette d'avoir perdu mes cornes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une transformation de naga avec l'un des nouveaux tomes qui est vraiment plutôt stylé, je dois dire. Faudrait que je me fasse un run où je joue des elfes qui deviennent des nagas, ce serait très Warcraft dans l'esprit. Et alors, trou de feu, qu'est-ce que t'as construit? L'air d'avoir construit des trucs relativement intelligents. En phase sur relativement. Bon, à part les deux carrières, là, qui sont un peu discutables. Au-delà de ça, t'as pas l'air d'avoir trop fait l'idiot. Je pourrais te placer là, toi, ce serait potentiellement rentable.
Pas une mine de fer dans le coin? Non, hein, faut croire que non. Écoute, la mine du golem, faute des meilleurs placements, je vais te foutre ici. Mégalithe de dune. Mégalithe de dune, je te placerai plus tard, quand on aura davantage de territoire. Brouissard, c'est pas vraiment une urgence à l'heure actuelle. Je t'ai pas déjà équipé, toi? Si? De quoi tu me parles, mec? Au 5, il est très cool la transformation Naga en plus. Bah, généralement, les transformations de haut level, elles sont plutôt pas mal d'un point de vue stat. Mais là, qui dit mine de rien, Paradox a quand même 3 jeux qui tournent bien sur Steam, 21 000 pour Europa Universalis, 20 000 pour Crusader Kings 3 et 15 000 pour Stellaris. Ouais, après ils ont un peu foiré toutes leurs sorties récentes, hein, parce que Victoria, le truc de Airbrain Scheme, là dont j'ai oublié le nom parce que honnêtement ça valait pas le coup de le retenir. Et c'est pas non plus la teuf, hein, leur sortie récente à Paradox. C'est pas ça que je voulais faire, mec. Je voulais voir les doléances, moi. Voilà. T'as récupéré 350 $, mais je vais te déclarer la guerre, mec. Iscariot qui dit City Skylines 2 est aussi un peu éclaté. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé la déclaration des développeurs de City of Skylines 2 qui regrettaient beaucoup le fait qu'il n'y ait pas le support des mods sur le jeu à l'heure actuelle. Ça fait un peu. On aurait dû donner les outils aux modeurs qui puissent finir notre travail à notre place. C'est d'autant plus triste que j'ai vraiment envie de jouer à un SimCity-like en ce moment. On devrait plus appeler des SimCity-like vu que Electronic Arts a plus ou moins tué SimCity. Ouais, j'ai bien envie de jouer à un SimCity-like en ce moment, mais bon, il en faudrait un bien, quoi. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment à disposition. Hélas. Ah, si j'ai très envie de capturer un territoire en plus, surtout parce que si je détruis Mulmok, je vais pouvoir capturer cet endroit-là, ce qui m'intéresse beaucoup plus. Nous allons capturer B. Ok, le capturer. Recruter, pardon, Bello Bestial, hein, qui est visiblement une magicienne. Bienvenue au club, ma chère. Je préférerais par contre que t'évites de rejoindre l'éclaireur. Restez là pendant quelques temps, on va te fabriquer une armée. On va te fabriquer une armée vite fait de jeunes rampeurs. Une nouvelle prime, vous avez reçu un compliment, vous avez reçu une insulte. Écoute, deux insultes par compliment. Très réaliste. J'en ai l'air d'un duvet qui dit. Vu sa tronche de jeu service très complet, sortir un Europa Universalis 5 risque d'être très compliqué. Oui, une fois encore, les jeux de ce type, c'est vraiment très difficile d'en faire des suites. Après, si j'étais Paradox, je ferais une suite à Stellaris. Je pense que Stellaris, à l'heure actuelle, est celui qui est le mieux placé pour recevoir une suite. Ce qui n'empêchera pas que quand il y aura un Stellaris 2 qui va sortir, les gens vont se plaindre. Parce qu'il sera pas aussi complet que Stellaris 1, parce que soyons honnêtes, c'est pas réaliste du tout d'espérer qu'il soit aussi complet que Stellaris 1 l'est désormais. Mais je pense que, vu l'usine à gaz que c'est Stellaris, mais vu à quel point c'est encore une machine à DLC, je pense qu'il est temps de passer la deuxième. Après, évidemment, ça revient moins cher que de faire des DLC à 20 € pour le 1 jusqu'à la fin des temps. Hein. C'est sûr. Mais je pense que faire un nouvel épisode de Stellaris qui soit différent de Stellaris 1 va être beaucoup plus facile que de faire un nouveau Europa Universalis.
Donc le problème avec Europa Universalis, c'est que ça couvre quasiment toujours les mêmes époques, a priori. Et en conséquence, c'est un peu le même problème que Civilization. Certes, tu vas faire un jeu plus moderne, plus beau, techniquement plus avancé, mais est-ce que ça va changer grand-chose à la boucle de gameplay? Pas vraiment, et en conséquence, la comparaison avec le jeu qui a 40 000 DLC va être très compliquée. Nous allons te raser aussi, toi. Éclairant, si tu pouvais bouger tes seufs, mettre là, parce que je voudrais boucher l'accès souterrain pour que Billy ne nous envoie pas des renforts dans le fion. Excellent. Ouais, City Skylines, j'ai vraiment été déçu qu'il soit autant foiré. Après, j'étais pas non plus le plus grand fan du premier City Skylines. Mais c'était un bon jeu, quoi. Bon, évidemment, si Electronic Arts avait pas complètement foiré SimCity, ça aurait été mieux. Je me rappellerai toujours de mon test du dernier SimCity. J'avais pu sortir en avance parce que le système de localisation de Electronic Arts était tellement bien foutu. Et au passage, la quête que je devais aller remplir à l'autre bout de l'univers, les gars, je sais pas si je vais la remplir. Hein. Je veux pas paraître un peu fainéant, mais ça va être compliqué. Donc je pourrais envoyer notre nouvelle héroïne, là. C'était où déjà? Ouais, c'est là, ouais. Ça va être compliqué, je pense. Surtout que je sais pas comment je vais descendre. Il n'y a qu'un seul accès vers le souterrain, là, il est sur le territoire de quelqu'un d'autre. Ah, écoute, Ah non, il y a un accès là. Écoute, je vais t'envoyer en éclaireur, on verra. J'y crois moyen, cela dit. Le tome des vents, je l'aime bien, les archers qu'il donne sont vraiment cool. Une excellente portée. Clairière. Faire pousser des forêts, ça m'intéresse pas des masses, mec. Je voudrais faire pousser des déserts, moi. Le tome du héros tragique, c'est un de mes tomes favoris dans le jeu. Je trouve qu'il est vraiment très aisé à mélanger avec tout un tas de trucs. Je vais d'ailleurs le prendre. L'Iscariote qui dit City Skyline est vraiment plus une gestion de trafic que de ville à proprement parler. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais pas le plus grand fan du 1. Je sais pas si vous aviez vu mon stream sur le 2, mais c'était un peu pareil. La réelle gestion de la ville était quand même relativement banale par rapport à ce que tu pouvais faire d'un point de vue trafic. Après, ils ont également l'air d'avoir beaucoup de problèmes de simulation sur leur jeu, ce qui est un problème pour un jeu de simulation. Bon, on verra, hein. Peut-être que il y aura un miracle et putain, ils vont encore tuer mes éclaireurs, les mecs, bordel, j'en ai marre de crafter des éclaireurs. Peut-être que Electronic Arts finira par lancer SimCity un jour et que ce sera bien. J'y crois pas une seconde, mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Parce qu'à une époque, c'était cool, hein, SimCity. À l'époque, les jeux Maxis, ils étaient respectés, même lorsqu'ils étaient chez Electronic Arts. Ça a pas duré longtemps. Mais à une époque, ça fonctionnait. Compétences de développement disponibles. Alors, toi, je m'en fous. Générer 15 points de vie de plus dans les territoires alliés, pourquoi pas. Ça, c'est utile, mais à l'heure actuelle, je sais pas si j'en ai méga besoin.
Cette armure-là, elle est d'excellente facture. Après, je suis pas giga fan d'investir de l'Imperium pour de l'équipement. Vous avez été dénoncé à tort. Man. Je vais créer une nouvelle prime. Man. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va vouloir le faire, mais on va proposer 500 pièces d'or pour ça. Ah! Je ne peux rien vous promettre, choque à la chèvre, mais j'accepte votre prime. Nice! Ben, c'est tellement beau, cette négociation entre les chèvres. Donc là, ce qui est cool, c'est que comme j'ai créé cette prime, lui, il va essayer d'aller chercher les embrouilles à Billy l'emmerdeur, là. Ce qui m'arrange. Après, je doute beaucoup qu'il arrive à prendre la ville, mais même s'il arrive à lui... causer des embrouilles, ça me suffira largement. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec... avec les Sims 5 aussi, Electronic Arts. Je suis très curieux. Il se passe quoi là-dessous? Il y a une tanière d'or. Un peu au-delà de nos aptitudes pour le moment. Iscariot qui dit qu'ils vont faire des DLC. Oui, bah ça va de soi, mais je suis curieux de voir à quoi va ressembler la formule. Parce qu'une fois encore, hein, je suis pas contre les DLC s'ils sont bien. Le grand problème, c'est que la majorité des cas, ils sont pas bien et ils sont très chers. Non mais elle est un peu pourrie, toi. Faudrait qu'elle évolue. Alors qu'on trouve des choses à te donner à faire. Je voulais lancer un sort, je crois. Ordre requis va explorer. Chamois d'or peut désormais récupérer cette ressource qui nous revient de droit. Écoute, j'ai pas vraiment l'intention de choper une ville très vite là. Tiens au passage, Ginette qui nous a rejoint tout à l'heure là. T'as quoi comme matos? Écoute, t'as du matos plutôt cool. On a des trucs qui traînent dans l'arsenal là. Pas grand chose. Hein. J'ai deux arcs, je devrais peut-être me faire un archer. Eisenfront qui dit je prie tant pour un anneau sur Rome. Le truc sur anneau, je pense que il y a plein d'époques qu'il pourrait couvrir. Après, partir très loin dans le passé, je pense que ça limite également un petit peu le potentiel de mécaniques inédites qu'ils peuvent faire. Parce que bien que ce soit dans une bien moindre... m'a encore tué un éclaireur, lui j'ai pas rêvé. Bien que ce soit... bien que ce soit dans une bien moindre mesure, je pense que Anno souffre un peu aussi du problème de civilisation. Que à chaque épisode ça se ressemble un peu tout le temps. Et s'ils arrivent pas à renouveler la formule, c'est compliqué. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient essayé de faire des épisodes futuristes, ce qui leur a pas vraiment réussi. Je pense que c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire toujours dans le passé, ben, t'as un peu exploré ce que l'on peut faire dans le passé. Mais je me trompe peut-être. Ok, je voudrais la tour de mage. La faille de Noircombe qui nous donne du mana, ce serait cool. Parce que je n'ai pas beaucoup de mana à l'heure actuelle.
Enfin, j'ai pas beaucoup de production de mana. C'est un problème. Pourquoi tu vas nous faire ça en premier en fait? En deuxième, après la téléportation. Trou de feu peut annexer une nouvelle province, n'est-ce pas merveilleux? Vous annexez ça, là? Tu vas nous construire autre chose dessus. Construire un mégalithe de dune. Excellent. Arke qui dit j'aimerais bien un Total War version 40k, mais j'imagine que ça tient plus d'un fantasme qu'autre chose. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et il y a beaucoup de gens qui disent ah mais tu peux pas adapter 40k correctement en Total War et ça peut pas être possible et ainsi de suite. Je pense que c'est absolument dans les cartons de Creative Assembly. Parce que Total War Warhammer leur a littéralement révolutionné le monde. Ça a également rapporté une montagne de fric à Games Workshop. L'un comme l'autre serait extraordinairement stupide de ne pas le faire. Et je comprends bien l'argument de oui, mais tu peux pas faire Warhammer 40 000 correctement avec la formule normale de Total War. Ok, qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont le faire correctement? Je pense que c'est indéniablement dans les cartons. Je pense pas que ça va être pour bientôt. À mon avis, c'est probablement pour dans genre 10 ans. Mais ce serait très stupide de leur part de ne pas le faire. Ce serait excessivement stupide de leur part de ne pas le faire. Et Old Zombie qui dit le dernier anneau était bien, mais on sentait qu'il était mal équilibré. En plus, c'était relou de passer de 15 mondes à l'autre. J'aime vraiment pas, oui, le fait que tu changes constamment de carte et de monde dans le nouveau anneau, oui. Enfin, dans le dernier anneau, parce qu'il est plus vraiment nouveau de nos jours. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles quand j'y joue, je joue pas avec tous les DLC parce que honnêtement, je trouve que ça cause plus de problèmes qu'autre chose en fait. Et ouais, l'argument de Warhammer 40 000 pour Total War, on le voit très souvent surgir. Il y a toujours une armée de gens qui disent que ça va arriver, une armée de gens qui disent que ça va jamais arriver. Je pense que c'est très naïf de croire qu'ils sont pas. Ils sont pas dans l'op. Ah bah faut que j'attende qu'ils capturent ça. Qu'ils sont pas en train de d'y penser très sérieusement. Je pense qu'ils y pensent très sérieusement depuis la sortie de Total War Warhammer 1. Décidément, c'est la saison est ouverte sur mes putains d'éclaireurs, hein, la vache. Fantasio qui dit un city building futuriste de qualité, ce serait pas mal. Ouais. Après, le problème avec les jeux futuristes, c'est qu'ils ont toujours tendance à se perdre soit dans la thématique post-apocalyptique, qui est une thématique qu'on connaît vraiment beaucoup, ou alors dans une thématique un petit peu trop épurée. Qui était un peu le problème d'ailleurs des anneaux futuristes. Écoute, ma vieille, t'explore, mais pour l'instant, t'accomplis pas grand-chose. Si ton armée est capable d'explorer ça. Non, ça a déjà été revendiqué, oui, je m'en bats les couilles. Je vais être très honnête avec toi, mais alors je m'en bats les snakes. Écoute, on a perdu deux lézards, c'est pas idéal. Récupérer tueur de monstres, décidément on chope beaucoup d'arcs ces derniers temps. $278, je m'en fous, donc on va recruter Scuf l'impitoyable. Fantastique. On ne peut pas recruter pour le moment. Toi, tu vas aller nous construire un avant-poste à côté et je vais t'envoyer des renforts. T'envoyer deux golems de fer qui vont arriver dans 500 ans parce que notre production d'unités est à l'heure actuelle
interrompu. Nous allons adopter la grotte de la griffe. Enfin, c'est quoi là-dessous déjà? Ah oui, il y avait la tanière d'or qui est un petit peu au-delà de mes aptitudes. Enfin, j'ai très envie d'aller pourrir ta capitale, toi, mec. À l'heure actuelle, je sais pas si je suis très en mesure de le faire. Et je vais aller causer un peu des embrouilles. Alors, eux, je vais pas les affronter. Je déteste les affronter, ces bestioles. Tentation qui dit, je me demande à quel point Warhammer 40 000 est rentable comme licence aujourd'hui. Extrêmement. Je crois que Games Workshop est littéralement l'une des entreprises les plus rentables de Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Et leur franchise la plus populaire est Warhammer 40 000. Nous allons vendre terrestre. Nous allons vendre terrestre et nous allons vendre terrestre. Si je jouais éventuellement nécromancien, j'aurais pu vous ressusciter, les gars, mais je ne joue pas nécromancien. On doit du coup avoir pas mal de trucs à recycler là. Grande épée, poubelle, lance, poubelle. Les arcs, on en a 50 000 et ils font tous la même chose. Infliger plus 30 de dégâts aux grandes cibles, ça pourrait être pas mal. Après, tu fais que des dégâts physiques, ça m'intéresse moins. Poubelle. Poubelle. La monture Warg, tu dégages. La monture Aigle, tu ne dégages pas. Plastron anarchique, tu peux éventuellement être utile. On va dégager le coup près puissant. Ok, lequel d'entre vous se bat vaguement au corps à corps? C'est toi, hein. Sion, tu as gagné un plastron anarchique. Je ne sais pas comment un plastron peut être anarchique. Et dans le fond, je m'en fous. Ton épée, elle est mieux que celle-là. Hein, ouais. Quel tiers ton truc? Tier 1. Il faut que je te fabrique un meilleur Glock. Toi, t'es équipé comme une brutasse, donc pour l'instant, on va pas trop s'occuper de Watt. On va crafter un nouveau Glock pour notre ami Goblin Wick. Et j'ai toujours que des dégâts physiques à l'heure actuelle, c'est regrettable. Alors, si je peux pas aller négocier avec des gens qui pourraient filer... C'est pas vous qu'il faut que je tue. On verra plus tard si on peut se débloquer d'autres ressources. Mon domaine a été envahi, c'est pas une bonne nouvelle ça, il a été envahi où? Il a été envahi là. Alors une armée de Noctus. Noctus, t'es encore vivant mec, t'es sûr que tu veux pas faire de la paix? Parce que honnêtement, je m'en fous de ta vie, honnêtement. Vas-y, marché conclu. Ta life, elle me passionne que très peu, fils. Un bestie qui dit perso, je fantasme d'un RPG Saint Seiya. Je sais pas si c'est vraiment un RPG que je ferais avec Saint Seiya. Ouais, ça dépend évidemment de quel type de RPG, mais tu vois, un JRPG Saint Seiya, je pense, marcherait mieux qu'un vrai jeu de rôle Saint Seiya. Je pense, du moins. Avant-poste ici, le voisin il va pas être réjoui, mais on s'en bat les couilles du voisin. Tu mènes où toi? Tu mènes à l'hôtel des étoiles. Je ne désire pas aller à l'hôtel, les amis. Elle est où cette putain de ville? Elle est là. Ok, et le seul endroit pour rentrer dedans, c'est chez le voisin que j'ai déjà énervé. Cool. Tout ceci va très bien se passer. Chavroux peut annexer une nouvelle province. Faut pas que je prenne des trucs qui sont trop près de trous de feu. Allons prendre... J'ai un bâtiment spécial de prévu, moi, oui. Étant dit, c'est pas pour tout de suite. On fera ça au prochain tour, mec.
L'entretien de mes unités me pose pas vraiment de soucis. Je vais débloquer les téléporteurs. Les téléporteurs, c'est très utile. Ah, y a une prime qui a été publiée. Ces jours, je me rappellerai quel est le bon bouton pour les primes. Durée ascendance. Oui, bah c'est moi qui l'ai faite, celle-là, mec. Le domaine a été envahi. C'est pas grave, il est reparti. Votre Mesté qui dit j'en suis au point où un Vampire Survivor like Saint Seiya me conviendrait. Honnêtement, ce serait une franchise qui serait plutôt adaptée, tu sais quoi. Tu mets Seiya avec les points de Pégase au milieu, puisque de toute façon c'est comme ça qu'il résout tous ses problèmes. Ce serait à mourir de rire. Honnêtement, les Vampire Survivor Lag, je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas davantage de franchises qui aient essayé d'investir dedans. Parce que je pense que, une fois encore, ça s'adaptait très facilement à plein de trucs. Surtout que ça a l'air d'être des jeux relativement rapides à développer, donc. Potentiellement accessible même pour ces grosses franchises et les gros éditeurs qui généralement sont pas les plus vifs du point de vue de leur mouvement, disons. Je sais pas si je suis encore en mesure d'obtenir cette prime. Fais ce que tu veux, mec, prends ton temps. Arki qui dit soyons fous, un Saint Seiya version Souls. Ah écoute, quelque part, l'arc des Chevaliers d'Or, c'est très clairement un boss rush. Hein. Après, je sais pas si. Je sais pas si le côté très basé sur des techniques, disons, de l'univers de Saint Seiya se prêterait beaucoup au système de combat d'un Souls-like. Et je pense que ça va être complètement impossible pour toi de prendre cette ville, mais tu vas essayer quand même. Oui, non, ça va clairement être complètement impossible pour toi de prendre cette ville. Que je vienne avec 40 personnes en plus. Ce que je ne vais pas faire, parce qu'honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup. On va se mettre deux golems de fer, deux chargeurs, un animiste. Siphonneur de joie pour réduire le moral de nos ennemis. Et gagner d'autant plus de dégâts lorsqu'on leur tape sur la gueule. Noctus, ça fait genre 5 fois depuis le début de la partie qu'il retourne dans le néant astral, mec, tu lui réinstallé ta maison là-haut. Ça a l'air d'être ta demeure, le néant astral. Fantasio qui dit après le problème d'un JRPG Saint Seiya, c'est qu'un JRPG tu contrôles une team et dans le manga le 1v1 c'est la base pour la baston. Ouais, après je pense que tu peux quand même avoir beaucoup de combats d'équipe. Dans Saint Seiya, et c'est encore un de mes éclaireurs qui se fait botter le cul, sur les combats normaux, entre guillemets, et après peut-être sur les boss, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais séparer les combats en équipe, en 1 contre 1, en tout simplement en faisant des affrontements d'équipe en équipe et des parallèles comme ça. Et ouais, t'as pas tort que ça se base souvent sur le 1 contre 1, oui. Après, honnêtement, la majorité des shonen ont ce problème. Hein.
L'un des seuls qui l'avait pas, c'était Naruto à l'origine, vu que le concept de Naruto à l'origine, c'était les équipes de 3, mais dès qu'ils sont passés dans Shippuden, ils ont oublié le concept des équipes de 3 et c'est devenu du 1 contre 1 comme tout le monde, donc... Ce qui est dommage, parce que je trouvais le concept des équipes de ninja vachement plus intéressant. Prime a été publié. Non, je vais pas capturer l'avant-poste de mon ami la chèvre, mon vieux. Je travaille pour WAM. Je vais travailler contre lui. Il y avait un jeu Naruto qui se basait un peu sur leur concept de combat en équipe. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ce qui est triste en plus parce que j'y ai joué à ce jeu. Ok, ça va être un combat bordélique. Vas-y, ce qui dit Ultimate Ninja Storm? Non, Ultimate Ninja Storm, c'est leur jeu de combat, là, non? Moi, je te parle du jeu dans lequel tu jouais réellement en équipe. C'était celui où tu créais ton propre ninja, là, je sais plus comment il s'appelait. Je l'ai en plus ce jeu, mais j'y ai pas joué très longtemps parce qu'honnêtement c'était pas méga intéressant. Dans le fond. Toi je vais te mettre 3 lézards. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un deuxième animiste? Je pense pas. Hein. Toi, ma vieille, il faut que tu rentres à la maison parce que cette quête, elle valait vraiment pas le coup de se déplacer si tu veux tout savoir. Creuse des bâtiments spéciaux, toi. Tu sors le téléporteur, on va mettre le téléporteur dans la forêt. C'est lent. Chavroux. Chamois d'or, tu as capturé. Écoute, on va te faire un téléporteur aussi, hein. C'est lent. Alors là, on qui dit dans Shippuden, c'est quand tu as des équipes secondaires qui sont mises en avant que le temps d'un milliard, que c'est cool, parce que les combats entre dieux vivants à la fin, c'est rigolo, mais déjà vu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, une fois encore, c'est vraiment le syndrome des shonen. Dans les premiers épisodes, ils t'expliquent plein de trucs complexes sur les systèmes de combat, les hiérarchies et tout, et 50 épisodes plus tard, c'est... Johnny, protagoniste, balance une boule de feu qui détruit un univers tout entier contre Billy, le rival... Il invoque une créature de la taille de l'Empire State Building toutes les demi-secondes. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus passionnant. Et c'est malheureusement assez systématique, pour ne pas dire sempiternel. Reste d'Elwynn, l'impitoyable, ont été récupérés. Bah comme quoi, t'étais pas si impitoyable que ça, ma vieille. Hein. Lame sanguinaire. Nice. Ah, la monture aigle, faut que je la file à quelqu'un. Yo, Billy, tu peux tirer depuis un aigle? Nice. C'est plus classe que ton warg de merde là, que je vais aller recycler immédiatement. Ah, il est en cours de transport. Aziz qui dit il y a un peu de ça dans la dernière saison de My Hero Academia, ce qui est dommage parce qu'avant c'était énormément de travail d'équipe. Ouais, Boku no Hero, j'ai jamais été vraiment super fan, je veux dire.
Acte de défense, mais avec grand plaisir, mon ami la chèvre. Mise à jour de la prime. Je réfléchis à ma tactique. Écoute, réfléchis, mec, réfléchis. Pas comme si j'avais littéralement capturé la ville que je t'avais ordonné de capturer. Hein? Je peux réfléchir très longtemps. L'autre, je vais l'envoyer faire cette quête-là. Lui fabriquer un Glock, lié avec son Glock. C'est un peu chier de te donner des dégâts physiques, mais bon, on n'a pas grand-chose de plus intéressant pour le moment. Sage, merci beaucoup à Stagejeune sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Nous allons te donner... Vengeance plus 20, plus 20 de dégâts sur les ripostes. Ça, c'est puissant sur les lances. Ouais, distrait, c'est très bien. Donner 10% de chance de coup critique. Donc honnêtement, ça me fait chier de te fabriquer une arme qui utilise que des dégâts physiques, donc je vais attendre. Vais attendre d'avoir les ressources pour. J'en ai un arrivé sur le chat qui dit c'est pour ça que Fullmetal Alchemist est le seul shonen que je relis régulièrement. Ouais, j'ai vu que visiblement il y a des gens qui voulaient faire une espèce d'édition spéciale de Fullmetal Alchemist qui mélange les deux versions de l'anime. Ce qui à mes yeux pas beaucoup d'intérêt, mais. Parce que la deuxième version Brotherhood est clairement la bonne version. Ouais, Fullmetal Alchemist c'est. C'était plutôt intéressant, je dois dire. C'est un peu moins sujet à beaucoup des phénomènes habituels de ce genre de manga et d'animé. Time qui dit je viens de commencer le jeu, la difficulté est supérieure aux autres 4X, non? Je sais pas, personnellement je trouve pas, après une fois encore je joue beaucoup à des jeux de ce genre et j'ai joué beaucoup à ce jeu-là lui-même, donc peut-être que je le réalise pas de par mon expérience sur le truc, mais personnellement je trouve pas, non. Après une fois encore la difficulté du jeu est relativement personnalisable donc... Trouve ça trop dur, tu peux mettre en plus facile. Ce n'est pas un problème du tout. Allons raser ta capitale. Je me rappelle même plus pourquoi je me suis embrouillé avec ce type. Mais j'ai décidé de raser sa capitale. Cela dit, s'il débarque avec des armées, là je vais faire la gueule parce que... Ma prime a échoué, ma prime a pas vraiment échoué mec. J'ai juste capturé l'objectif que j'avais donné à mes voisins. Steiner qui demande est-ce que vous avez des recommandations pour un bon shonen en animé ces temps-ci? Honnêtement, la majorité des shonen, bon après c'est un genre qui s'adapte, qui s'adresse pas vraiment, disons, à moi d'un point de vue public, soyons honnêtes, hein, généralement ça vise plus un public adolescent, la majorité des shonen. Ouais, c'est plus vraiment un genre qui m'intéresse tant que ça, je dois dire. De par le côté très statique de leur structure. T'as un peu toujours l'impression d'avoir déjà vu tout ce qu'ils ont à offrir à chaque coup, ce qui n'est pas très intéressant. Placement de projet de siège de plus, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile aussi, mais à l'heure actuelle, on n'a pas une croissance suffisamment pour que ça m'intéresse des masses.
J'ai une tonne de flouze là, je devrais l'utiliser. Répondre à l'appel à la guerre. Appel à la guerre contre Rakshagi, mais avec grand plaisir. Très bien, choc à la chèvre. Difficile de prendre tes menaces au sérieux, ma vieille. Et je sais, c'est pas de ta faute, c'est moi la chèvre, mais quand même. J'ai un gars qui dit car il avait pris les ressources rares que tu convoitais pour Chamois d'Or. Ah, effectivement, bien vu. C'est un truc que je fais très régulièrement dans les jeux 4X. C'est lorsqu'il y a une intelligence artificielle qui me vexe d'une manière extraordinairement mineure, j'ai tendance à les anéantir jusqu'à ce qu'il en reste plus un seul, même si c'était très clairement pas nécessaire et que l'agression qu'ils avaient causée ne méritait absolument pas des conséquences aussi majeures. Les jeux 4X, c'est vraiment très fun, que ce soit en solo ou en multi. C'est vraiment des jeux que j'apprécie toujours. C'est pas ça du tout que je voulais faire, ma vieille, mais peu importe. Je voulais qu'ils aillent là, parce que toi, je veux que t'ailles ici. Si. Vous allez rester là pendant encore deux tours pour éviter que l'autre y reprenne sa capitale. Toi, tu vas défendre cette ville en attendant qu'il se passe quelque chose. Tome du machiniste. Construire fantastique bombardier. Ah, le cuirassé, j'en suis très fan. Tome de terromancie. Permet de détruire des montagnes, ce qui est toujours utile. L'élémentaire de terre, il est également pas mal. Tome de transmutation. Tome des cycles. On devrait avoir accès au tome des dragons aussi. Ouais. Ouais, on va prendre le tome des dragons, mais je vais prendre le tome des cuirassés aussi à terme, parce que les cuirassés, ils sont à crever de rire. Des espèces de gros chars qui tirent comme des mortiers, c'est très drôle. Donc Steiner qui dit, on est d'accord, j'ai l'impression que le genre shonen fait du surplace. Le truc, c'est intrinsèquement, ça fait partie du concept, je dirais, que le genre fasse du surplace. Donc je suis pas vraiment étonné qu'il fasse du surplace. Le fait que les shonen fassent du surplace, c'est un peu comme les comics grand public de Marvel qui retournent toujours à leur status quo. C'est le concept qui veut ça. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose, évidemment, mais... Et c'est le concept qui veut ça. Donner une meilleure armure, mec. T'as vraiment la giga classe, mon vieux. Nouvelle monture? Ah oui, c'est la monture Warg que je voulais recycler. J'en ai l'air du mec qui dit garder en tête que Shonen c'est avant tout une tranche d'âge. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, vu que c'est des trucs qui sont principalement conçus pour être dirigés vers un public masculin jeune, il est évident que les formules vont rester relativement statiques. Alors, je voudrais que tu aies essayé de casser la gueule à lui, là. Ce qui, honnêtement, va être très dur à faire tout seul, donc on va te donner des renforts, ma chère. Je vais rentrer à la zombie, les gars. Essayez de pas vous faire tuer avant la fin de la capture de la ville. Vous deux, vous allez rejoindre notre ami le gobelin avec un Glock. Là, on a encore un tour. On n'est pas très vite les troupes ici. Il va falloir que je construise davantage de bâtiments. D'un point de vue croissance de population, mes villes sont assez décevantes. Là. Après, on habite au milieu du désert, mais on est censé être bon dans le désert. Siphonneur de joie. Niveau mana, j'ai pas non plus une production grande. Hein. Je sais plus si j'ai lancé outil éveillé sur ma quatrième ville.
peu dans le dos. Sigrigili et l'animé Pokémon post-Sacha, ils donnent quoi? Écoute, j'en ai aucune idée. Je dois t'avouer que j'ai jamais vraiment regardé Pokémon. Après, j'imagine qu'il est extraordinairement populaire, comme tous les trucs Pokémon. Faut pas oublier que Pokémon est littéralement la franchise de divertissement la plus rentable du monde. Ça imprime probablement de la thune, comme tous leurs autres trucs, j'imagine. L'inverse me surprendrait en tout cas. Là, ce qui dit est ça grâce à l'incroyable qualité de leur jeu. Oh, je pense que c'est plutôt le merchandising qui leur rapporte des montagnes de fric. Bien que leurs jeux sont évidemment très populaires aussi. C'est plus les produits dérivés qui rapportent de la thune chez Pokémon, je pense. Écoute, il s'avère que j'avais déjà les outils éveillés dans toutes mes villes, donc tant pis. Quoi là-dessous? Il y a la tanière d'or, ok. Ah, oh, j'ai vraiment pas envie de t'affronter, toi. Je déteste ces putains de bestioles. C'est grillé qu'ils vendent paquets de cartes aussi, tout le temps en rupture de stock à chaque sortie de nouveau set. Oui, bah c'est du merchandising, comme je disais. Produits dérivés et compagnie. Il y en a qui disent sinon les animés actuels sont plutôt pas mal tournés vers l'isekai, il faut aimer le genre. Ouais, après, les isekai, il y en a beaucoup, et je pense même qu'il y en a trop, comme tu fais bien de le souligner. Mais tu peux quand même faire des trucs assez différents avec. Parce que bon, beaucoup des isekai qui sortent de nos jours ont quand même pas grand chose à voir avec des trucs tels que Sword Art Online et Log Horizon par exemple. Ce qui est une bonne chose en ce qui concerne Sword Art Online. Franchement, je trouve pourrave. Vous produisez pas vite, vous les mecs, là. Recrute, gars, j'ai 11 000 pièces d'or. Pourquoi je les utilise pas? On se pose un peu la question. Ok, la madame, elle est énervée et elle débarque avec des armées relativement puissantes. Le dragon, il t'appartient, là, c'est un problème. Le dragon, il t'appartient, c'est un problème. Certes. Écoute, il y a des jours comme ça où il y a un mec qui débarque chez Watt avec des dragons. Tu veux que je te dise? Il est fini le téléporteur? Oh oui, on va l'accélérer un peu le téléporteur si tu vois pas d'inconvénient. Parce que je vais en avoir besoin incessamment sous peu. Une proposition, pacte de téléportation, mais avec grand plaisir, vieux. Je ne vais absolument pas utiliser ça plus tard pour tourner contre toi. Insulté par mon homonyme, et je me reçois un compliment de mon ami la chèvre. Oh, il fait plutôt sinistre chez toi, vieux. J'avais pas réalisé que t'étais ce genre de chèvre.
combat, je vais très clairement le faire en automatique. Je déteste affronter ces merdes. Ok, bon. Gobelin, il faut que je te ramène quelques dragons. Toi, ma chère, il en est où le téléporteur ici? 5 tours? Oui, non, 5 tours, ça va pas le faire. Avoir besoin de renfort. Ok, les bains publics, c'est vraiment pas nécessaire, dans le fond. Ah, j'ai vraiment une croissance insuffisante ici, là. C'est un souci. Jeune dragon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Honneur de joie qui va nous peindre la gueule en noir. Écoute, on a un meilleur style comme ça. C'est quoi? Balance-moi une population dans toutes mes villes. Butte de ruine, un dirigeant a été dénoncé, un pillage est en cours sur une province. Oui, écoute, je les arrêterai bien, mais ils ont un dragon, et personnellement, j'ai pas de dragon. Donc, je vais les laisser piller tranquillement jusqu'à ce que mes autres armées arrivent, ok? Un inconvénient, c'est la vie. Moi qui sont en train de piller le téléporteur. Ils sont pas en train de piller le téléporteur. Très bien. Toi, tu vas nous faire des jeunes dragons d'obsidienne. Toi, tu vas nous faire des jeunes dragons de feu. Tu vas nous aller les faire plus vite parce que vraiment, t'es trop lent. Avec trois armées, on devrait pouvoir les contrer, leurs dragons. Il faudrait que vous bougiez les fesses un peu plus vite, les amis. Ok, toi... Honnêtement, ton armée, elle fait pas super méga rêver, vieux. Hein, vous êtes de haut rang, vous, les amis, mais vous êtes un peu naze. Bye. Même commentaire pour toi, Philippe. Désolé, mais je ne suis pas vraiment désolé. J'ai pas construit des golems, ils sont là-bas. J'ai adopté ce jeune dragon. Celui-là aussi, pendant que je suis là. Pas l'armée la plus polyvalente qui soit, mais on va faire avec. Tu vas venir là. L'armée du gobelin, elle fait vraiment pas rêver. La sienne non plus, dans le fond, mais c'est pas grave, je lui donnerai un dragon à lui. Game animiste, jeune dragon de feu qui est produit, ok. Yo qui demande dans Age of Wonders 4, est-ce que les unités de base restent utiles tout au long du jeu ou est-ce qu'elles deviennent très vite obsolètes comme dans le 2? Bah c'est pas qu'elles deviennent très vite obsolètes parce qu'il y a un système de rang qui leur permet de devenir hein, plus puissantes au fur et à mesure. Mais disons que si t'as une unité du même type, donc par exemple un archer et un autre archer, et qu'une de tes unités de type archer est d'un tiers plus élevé, généralement elle va évidemment avoir un potentiel... Elle va avoir un potentiel beaucoup plus élevé du point de vue de son efficacité. Là va de soi. Donc non, parfois tu peux garder des archers de tiers 1 très longtemps si t'as rien de mieux en tant qu'unité à distance, en gros. Ouais, dans le cas contraire, vaut mieux switcher, oui. Extérieur qui dit « J'ai l'impression qu'il te plaît bien ce petit Age of Wonders 4, j'hésite, est-ce qu'il y a beaucoup de DLC ?» Il y a 3 DLC, après honnêtement t'as pas besoin d'acheter les DLC pour que le jeu soit bien. Tout à fait
découvrir le jeu de base désormais. Et oui, effectivement, le jeu me plaît bien. Parce qu'ils ont fait plutôt du bon taf pour le mettre à jour au fur et à mesure. Il gagne sensiblement en qualité. J'aurais dû le regarder, le ralliement, ça se trouve, il y a des unités cool. Ouais, tu vois, il y a un phénix, là, c'est plutôt rentable. Vas-y, balance, mec. Me ramener également les serpents, dans le fond, c'est très thématique. J'avais fait une faction à une époque qui était très basée sur le ralliement, et si tu captures quelques petites merveilles relativement vite, tu peux te faire des armées assez ouf à terme. Fonction évidemment de la qualité des merveilles que tu ramasses. Lyon Zurjad qui dit dans le 2 les armées 100% héros ou invocation ultime m'ont vite dégoûté du jeu. Bah évidemment si t'as une armée remplie d'unités de tier 5 telles que ce dragon là, ça va être une armée très puissante, hein, ça ne fait aucun doute. Je veux dire c'est un peu le concept du jeu. Après évidemment les armées de tier 5 sont très chères. Et pour ce qui est des armées multi-héros, elles ont été nerfées via le patch qui vient de sortir là. Désormais quand tu mets plusieurs héros dans une armée, tu souffres en vitesse d'XP et en morale. La vitesse d'XP, c'est pas un gros problème à mes yeux, le moral, c'est un gros problème. À moins évidemment que tu puisses le compenser d'une manière ou d'une autre. Regarde qui dit l'elfe noir, il veut pas la paix. Si, mais honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de raison de lui donner. Je suis très clairement en situation de puissance face à lui, donc j'ai pas vraiment de raison de lui filer. Jamais il débarque chez moi avec une armée de taille conséquente, il est possible que je change d'avis. Construction d'urgence de brouillesort, là, ça va être plutôt rentable tout ça. Lindor me paraît très attirante. Répondre à l'offre du héros. Oh, Scuff l'impitoyable, tu es très mignon, mon vieux. Ouais, rien qui fasse rêver là-dedans. Hein. Steiner qui demande est-ce qu'il y a une campagne scénarisée? Pas vraiment, non. Il y a des scénarios qui sont partiellement scénarisés, mais si tu t'attends à une campagne avec un scénario global et une multitude de missions, il n'y en a pas, non. Ah, t'es sérieux? Tu t'es enfui la queue entre les jambes avec ton dragon, mec? Un peu tiep, hein. Je sais bien que j'ai débarqué avec tous les cousins, là, mais quand même. Qui traîne dans les environs. Je sais pas par où elle est partie, elle a dû se téléporter peut-être. Plus tes villes, elles sont pas exactement à proximité, ma chère, donc te chercher les embrouilles, c'est un peu compliqué pour moi. Regrettable, je me suis déplacé pour rien du coup. Quelle tristesse. Je me demande si elle est peut-être en guerre contre Noctus et vu qu'elle l'a vu débarquer avec ses navires, elle a peut-être flippé. C'est tous les putains de monolithes dans le coin, hein. Non? Elle doit être là, je pense. Ouais, malheureusement, il me faut un tour pour descendre dans l'océan, donc. Ah non, c'est. Putain, Noctus, mec, tranquille les armées là. Bon, elles sont pas très impressionnantes individuellement, mais t'en as 42. Écoute, le phénix était bon à prendre, je veux dire.
Écoute, je sais pas par où elle s'est barrée, mais elle s'est barrée. Dommage, je voulais l'affronter, son dragon, en tant que bataille finale du stream, là, mais... Malheureusement, elle est partie à toute vitesse. Quel dommage. Bon, hélas, bien que je m'amuse beaucoup sur ce nouveau DLC de Edge of Wonders 4, qui, je le rappelle, s'appelle Primal Fury et vient de sortir à 9,99€, il est malheureusement temps d'en finir avec le stream du dimanche. J'espère que vous allez passer une excellente fin de soirée. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour tout un tas de streams sur tout un tas d'autres jeux. Et d'ici là, je vous dis à tous, ciao tout le monde!